like young gods, stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look, bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it popping every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dipping. Life is but a dream, we live it, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 18-19 gonna be crazy. World, what up? Tripping. You know what it is. You know what it isn't. She just get it popping every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James, a buzzer beater. Welcome to your Kodak moment. Don't do them like that. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket. Nous sommes en direct live et comme vous en avez l'habitude, vous le savez, avec cette radio digitale, la radio numéro 1 sur la NBA pour les francophones sur le digital. C'est bien Radio All of Fame Basket, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de le rappeler à chaque fois. Et bien entendu, pour ce dimanche, c'est Total Africa NBA, l'émission qui nous permet de donner la part belle aux Africains qui sont en NBA. Et pour ce soir, on démarre le talk show un peu plus tôt
Tout simplement, pour une raison simple, c'est parce que l'émission est, on va dire, c'est une émission un peu spéciale, puisque nous aurons la possibilité de diffuser une interview de Serge Ibaka, la star des Raptors de Toronto. Serge Ibaka qui va s'exprimer sur le parquet de la Radio Off via le média Raps Unpublished, hein, c'est un média officiel affilié aux Raptors de Toronto qui ont donc enregistré cette interview de Serge Ibaka qui s'est exprimé il parle de lui tout simplement. Il raconte sa vie, il raconte sa carrière, il raconte beaucoup de choses. Serge Ibaka qui s'exprime énormément sur lui, sa carrière, sur ce qu'il a réalisé, sur sa famille, sur le Congo. Alors si vous êtes un gros fan de Serge Ibaka ou pas du tout, si vous êtes du Congo, si vous êtes du Congo ou alors que ce soit du côté du continent ou alors du côté du côté de l'Europe, du côté de la diaspora, on vous invite vraiment à écouter le début de cette émission. On rappelle, une émission qui commence avant l'heure, on devait démarrer à 22h comme on le fait d'habitude, mais on commence un peu plus tôt parce que cette interview de Serge Ibaka est quand même assez fournie en matière. Plus de 25 minutes d'interview pendant lesquelles on écoutera Serge Ibaka s'exprimer et raconter sa carrière. Raconter Serge Ibaka, My Fousey, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Serge Ibaka, la star des Raptors de Toronto, et après on attaquera avec la suite de l'émission. Comme on en a traditionnellement l'habitude, bien entendu, on envoie un gros big up à tous nos fans de par le monde. Et je vous rappelle qu'on aura la présence du Doc ONP depuis Angers, on aura la présence de Missy depuis Paris. Et bien entendu, on fait un big up à tous les panélistes qui sont éparpillés à travers le monde et aussi ceux qui sont dans nos groupes respectifs, le groupe Facebook, plus de 22 000 membres, le groupe WhatsApp. Hein, et on vous rappelle qu'avec WhatsApp, on peut vous appeler quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Vous n'avez qu'à rejoindre notre groupe sur WhatsApp. Pour cela, vous cliquez sur la bannière WhatsApp qui est sur la page d'accueil de notre site officiel www.radioff.net. Vous cliquez sur cette bannière et vous rejoignez le salon WhatsApp. Et bien entendu, vous nous faites signe. Si vous souhaitez passer en direct, on vous appelle. Et c'est comme ça que ça se passe. On vous fera entendre. Vous pouvez vous exprimer sur le sujet NBA de votre choix. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Allez, sans plus tarder, on va écouter Serge Ibaka après une petite pub et on va attaquer avec la suite classique de l'émission Total Africa NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Fuzzy Chef, Mr. Avec Class. Original man from your motherland. Okay, thank you for joining us, Serge. We really appreciate it. Yes, sir. Serge, you have a lot of nicknames. Yes, sir. What's your favorite nickname? Mafuzi. Mafuzi. Yeah. And what does Mafuzi mean? Mafuzi mean, one day we had to do a special edition for that so I can tell people what Mafuzi means. For now, I am Mafuzi man, original man from motherland.
So it's secret. We'll keep it at that. We'll keep it secret. Yes, sir. So the big reveal will come one day. Mm-hmm. Serge, I wanted to start chatting with you because you have one of the most interesting stories and journeys in the NBA. You originate from Brazzaville in Congo. Talk about growing up, and I read something. You are one of 18, are you not? Yes, I'm one of the 18 brothers and sisters. And growing up in Congo was different, and but one of the things I love about it, even when things was not going in my way, and even when the struggle, but it was peaceful. Yeah. So that's one thing I love about, and growing up in Congo, Brazzaville. In Congo, who did you say had the most influence on you? I think my dad. Your pops? Yeah, my dad, because I lost my mom when I was 7. So all my life, I grew up with my dad. Yeah. And my dad, I can say that. What's your favorite memory about both your mom and your dad that you can remember? Well, my favorite memory about my mom, she used to live in France. So when I was like, 6, 7, and she, and every summertime when she come back home, I remember she'd come pick me up at my dad's house. Yeah. And we just go shop, buy me a lot. I used to love toys, like soccer ball all the time. Right. And one of the funny thing story is one time she bought me a soccer ball, and I want to play with my friend, and the soccer the ball, it was kind of messed up. Yeah. I broke. Yeah. And then I go back to my mom, and I start crying, and then she give me money to go buy another one. I go buy another one, and then it broke again. I go back again, and then she bought me the third one. That's one of my. So she spoiled you. Yes, she did. So you definitely. Because I was her only son. Ah, yeah, okay. Yeah, because I have two sisters, so I was her only son. So. Oh, I got you. Yeah. What about with your siblings? You got any crazy stories that you remember when growing up with them? Anything that you guys got into? And the pretty story was, and especially in Africa and Congo, sometimes when we was young, we used to eat together, and at house, like they were gonna put food and same plate to eat together. So me and my brother, Igor, my sister, and my older sister. So we had to eat at the same time. And me and my brother, we was playing basketball. We wasn't really tall and a big hand all that. So it was like a fight, like race, So you have to grab, like if you grab one time, like you have to keep going. That's a funny story. Survival of the fittest. Man, that's why, like, if you eat slow, and then I remember my sister and my old sister, they used to cry all the time because we used to eat so fast because, yeah. That's amazing. Yeah. So you've talked about this before. You've come almost full circle at a time. I think you mentioned that you were homeless and you were trying to make some money and you were selling water on the street, and now you're an NBA superstar. Do you ever kind of like still think about that and how it shaped you? Every time I think about it, the only thing I can think, every time I think about that situation, and the only first things come to mind is, just to thank God, man. Yeah. Just to thank God. That's only first things come to mind, because like you say, coming from where I come from and what now, it's like something like if I told you this 10 years ago, you would say this is impossible. Yeah. And with God, anything's possible, So every time I think about this, I always thank God first. Were there times that you in your head, when, because people, you don't understand, like you're a kid, right? Like it's, you got to think to yourself, you're probably thinking to yourself, what's my next step and where am I gonna go? Yeah, listen, one time I always say to people, the power of belief, it's very important, the power of belief. I'm gonna repeat that again. Mm-hmm. The power of belief, mm-hmm. it's important than anything you try to do. You may try to do something, you already have the money or whatever, but I'm telling you, the power of belief, it's better
than someone who already have everything in their hands to do something, then you have zero, but you have the power to believe. I remember I used to tell my friend in Congo, we call, and his name is Eric Kibonge. Mm-hmm. We used to play basketball together. I used to tell him, hey, Eric, one day you're going to wear my jersey with my name. Really? Yeah, I used to tell him that. And I used to tell Eric, one day you're going to tell people you grew up with me, and they will say, no, you're lying. Do you still keep in touch with Eric? Yeah, yeah. And then one day he called me when I got drafted the first time. And he texted me. He said, man, bro, I just saw you on TV, you got drafted. And I was telling those people, we was watching TV with them, like, I know you, we grew up together. They said, no, I'm lying. And then all those things I had to tell him because I want to believe. That's an amazing story. You know, so that's so. Did you get him his jersey? Like, did he wear your jersey? Yeah, he wore my jersey, and yeah. Man, that's so insane. I must believe, man. You know, like, even when I didn't have nothing, but I believe from my heart, like, you know, one day I'm gonna make it. And when you believe, and then you go, you stand up, and then you go try, at least try. Yeah. You know, something will happen. That's true. Something will happen. You know, it's not like just I was believing, or I was dreaming, just sit down. No. Yeah. I was dreaming, I was believing my dream, and then I stand up to go do it, to go try it. Mm-hmm. Now, you mentioned you got a soccer ball from your mom. Yeah. When did you first touch a basketball, play basketball? And then also, when did you kind of know that basketball was for you? If I tell you right now how I started to play basketball, you're going to laugh, man. I'm not going to laugh. It's crazy. Listen, my dad used to play basketball. Both your parents, didn't it? Yeah. So one day, I think it was like my last year of my dad, of his career. So he used to take me with him at the practice. Mm-hmm. I just go out there and then, because they used to practice like outside. It's not like, you know, outdoor. Sure. You know, like in a, you know, street. Like street playgrounds. Ball. Yeah, like playground basketball, you know. How old were you then? I was like 8, 9, 8. Yeah. And he took me with him to practice, to his practice. So I used to go out there just watch and his practice. And then, so one day, and then he just took me with him at the practice. And I was just, you know, I just chill out. I would just chill on the grass, you know, and watching him practicing. And one of his teammates, he was one of his teammates, the younger of, you know, like, on his team, my dad was old already. And sure. The other guy was young, like a rookie. Okay. His team, you know, rookie of my dad, like, you know. Yep. So he was the vet and he was the rookie. Yeah, he's a rookie. So one of the rookies, he's come on the side. You know, he said, hey, Serge, what's up? Let me show you something. So he called me on the side. And you know, like this, like you know, bottle of water, empty bottle of water. Yeah, sure. You know, he said, he gave me that bottle. And then he said, this is how you drive to the basket. And then he started showing me the step, like one, two, and jump with the bottle. With the bottle in your hand? Bottle of water, like a bottle of water in my hand. And he said, this is how you do it. One, two, and jump. Go again. I'm sorry. One, two, and jump. And I remember that night I didn't sleep. All night in my head it was one, two, and jump. One, two, and jump. And on my way home with my dad after practice, on my way home, yep. After my dad practice, every time we're walking, I'm stopping, I'm starting doing one, two, and jump. One, two, and jump. When I got home and then when I was taking a shower, I go take a shower and shower. I'm doing the same thing. Really? One, two, and jump. Bro, that thing was in my mind all night. One, two, jump. And then everywhere you went? Yeah. And you were practicing. Since then, everything started. And then the next day on my way to school, I'm walking, I'm gonna start doing on the street. One, two, jump. One, two, jump. And since that, it just stuck in my hand. And then that's how everything started, man. And how was your dad as a player? Did he, what was his best, like, how, what was his best part of his game? Fadeaway jump shot. He was a fadeaway shot? Was it after Michael? Yeah. Fadeaway jump shot. Yeah, he was playing at power forward too, but he was not tall like me, but
bigger, like, you know, this hustling guy. Really? Yeah. And jump shot like mid-range. Did you, growing up, when you started to play basketball more, did you kind of try to copy or emulate him? I told my dad, I'm gonna be better than you. He wanted me always to be like, just, you know, play inside, wiggle and all that. Yep. You know, and then I said to him, no, basketball, you know, because at that time, mm-hmm. I was watching Michael Jordan. So I said, no, I want to play, you know, I want to shoot like Michael Jordan, you know, fadeaway. I used to love fadeaway. So my dad didn't like that. He said, no, you're soft. If you play the sort for big men, you should play inside in paint. That's amazing. Yeah. We'll get to your currently famous show right now that everyone's watching. We'll get to that a little bit later. But on that same topic, who taught you how to cook? My dad. Your dad again? Okay. Yes. I used to watch him cook all the time. Really? Yeah, he used to cook. He used to cook some crazy stuff. And so, yeah. And is that not common in Congo or in Africa where the men often do cook a lot? Yeah, like men know how to cook because, you know, in Africa when you're young, like, you know, your mom sometimes, you know, like, we do all the stuff. Yeah, know, everything. You know, so like, many you clean, jobs. Sometimes you clean house, you know, so, you know, you help your mom, you know, so. What was your favorite dish that you can remember that your dad made you? Oh, my dad used to cook the peanut butter sauce with rice and beef. Oh man, yeah, that sounds delicious right now. Very, very, very good. You sound like JV there. Speaking of, when's JV gonna be on your show? JV, he's coming soon. He's coming soon. Yeah, no, we already did. It hasn't been out yet. Yeah, that's right. Coming soon. Yeah, that's true. Yeah. So you learned a lot of lessons from your parents, some valuable lessons growing up, had some great memories, and then now you're a father. Yeah. Do you remember and do you kind of take some things that they taught you and do you apply that now that you're a new father? Yes. You know, one thing I want to tell you, it's not that easy in those days. You know, it's different, man. Like this way, like how kids, they know everything already, man. Everything. You know, like, because anything they want to know or they try to find out, they're just going to go and Google that. They have all respond. So, you know, I think you said that you didn't want your daughter to have a cell phone. Yeah, but I just got her to cell phone. I just got her a cell phone right now. So she's got one now. She got one now because I need to communicate with her. So I didn't have a choice, you know. You didn't have a choice, yeah. I didn't have a choice. So, and she was the only one in her school. She didn't have a phone. She's kind of, you know. Do you give her, like, rules? Rules. Well, she got a lot of rules. She got rules, but, yeah. And she's a good girl, you know. She respects all rules. And so I don't want to worry. How has she been? I think something that maybe people don't think about is mm-hmm. the culture change. Because, you know, you're growing up in Africa and now coming even to yourself in North America, you know, as a child. How has she adapted? Yeah, she adapted very well. Maybe I think too much. So sometimes I have to slow her down. Yeah. You know, I want her to understand where you come from. Mm-hmm. And, you know, and I always try to pick up, you know, the good thing about where you come from. And the good thing about here too, yep. You know, here, you know, one thing I know, you know, if you have to say it's the truth, is, you know, in the state, you know, the education is good for kids, mm-hmm. you know, and I'm not saying in Africa the education is bad, or I'm not saying, and you know, I'm saying that I always, you know, I think when it's come from education aspect, I think you have good and bad here and good and bad in Africa. Was that a tough decision, you know, for you to make to bring her over here to go to school? A little bit, yes. But I know the school system here is great. That's okay. One thing I'm 100% for sure. The school system here is great. So the only thing I'll be doing this, you know, to pick up the good thing about here, sure. Education here, and also about Congo, you know, about home, just to mix it up so I can give her that she can understand it. Absolutely. Yeah. What's your favorite subject? Math. Oh. Yeah. Really? Mm-hmm. How were you at math when you grew up? I was, well, you know, like, I didn't like math, but she liked math. That's good. That's good, right? That's good. Yeah, I didn't like math. Yeah. Now, going back to your story, you had to leave Africa to further and pursue your MBA dream. Yeah. And you flew to France. Yeah.
I want you to go back in that moment. Tell us about like what you were thinking in your head. And I think, was that not your first time on a plane? No, that's not my first time. My first time on a plane was in South Africa when we want to play under 18. Oh, really? It's 19. That was my first time. And that's where, you know, everything started. That's where... Still linked to basketball, right? You're pursuing your dream. Yeah, that's where my agent saw me. Everything started too. But in France, it was not my first time. But in France, it was like, yeah. You know, like going in Europe, come from Congo, you know, at some point you was living on the street. You have a place to sleep, you have to ask, you know, sell the water. And then, you know, you're just going on in France on the plane. Like, I remember it was December 2006, I think. Really? I remember that it was my Christmas gift. Man, if you could see my face that day, man, I was smiling. Yeah. Ear to ear. Yes. But were you scared of like being on a plane for the first time? No, no. Sorry, that's French, but I mean that French. Yeah, my first time, yes. My first time and going to South Africa, yes. Really? Yeah. Of course it's my first time on a plane. Come on, man. Come on. And then I mean you were happy, but it was different, right? Like going to France, being in Europe and different culture. Altogether. Yeah, different. Just to me, I was happy because, you know, because all my dream, I used to dream, you know, all my dream, I used to dream, you know, about, you know, going play somewhere and, you know, enjoy basketball. Mm-hmm. It's coming true. So that was my happiness at that moment. And even when you were playing, though, did you, like, were you homesick? Did you find, like, or did you adapt pretty easily? You know, I was so excited about, you know, going somewhere to play basketball. I didn't really think about home at that moment. Gotcha. You know, because I said this is what I was dreaming for. You know, it's happening now. So and then you moved to Spain first, and then got drafted to Seattle. You know, it was not sure yet if I'm gonna be, you know, if I was going to draft or put my name on. We was not sure yet. You know, at some point I told my agent just put my name off because I don't know if I'm gonna get drafted. Sure. My agent said, you know, it's okay. Let's just do it. You know, and then I came back. I came back to New York to play the EuroCamp. EuroCamp, yeah. Yeah, so that's where, you know, I played very, very good. And like when you got drafted, what was your first experience? Were you kind of shocked? Were you excited? Like what was like, well, probably was, everything, I right? I was shocked. Yeah, I was like nervous. Like I remember I was in Manchester. I was actually at Madison Square Garden, yeah. Yeah, Madison Square Garden. The commissioner. Yeah, and I remember on the draft day, I was there. With my suit and my legs shaking, my hands are sweating, like and praying, like. And you're a style aficionado. How do you judge your suit from the draft day back then? It was good for the rookie for the first time. I don't know if you can see the picture. It was good. Yeah. Yeah. We should bring it up at Google while we're talking. Yeah. And who was the first person that you called? Who was with you there in Madison Square Gardens? I remember who was with me. Pera is my agent from Spain. I think Jordi too. I don't remember. Jordi, yeah. I think Jordi was there. Who was there too? I don't remember. Yeah, I think Pere Jordi. That's for sure. Who was the first person you called? My dad. Yeah? Yeah, I called my dad. And what was his reaction? Yeah, well, he was happy. But, you know, when it's like something, you know, when something you didn't really expect, like, because... When I come from, nobody didn't believe I'm gonna make it, or those things I'm living right now is gonna happen to me. So for everybody, every time they hear or they see something, it's kind of this kind of shocked. Like this was gonna say, it's probably it's excited, but people are probably just in awe and shocked that it happened. It never happened before where I come from, and people never expect that to happen. That's the point, you know. People never expect that to happen because it's not the opportunity there. And it has, and yeah, obviously. You know, it's opportunity. Like the school system is good, the sports school system is good. You know, like you have a chance to see a lot of players, talent out there. Sure. But when it's zero, you know, like nobody even think about it.
Interesting. Yeah. And I'm looking at, I just Googled looking at the suit. You got the three-piece black suit with the green tie looking sharp. I got that thing. I got that thing since day one, man. You still got it? Yeah, I still got it. Who, do you remember anyone from the draft class that wasn't dressing with Mafuzi style? I don't remember, man. It's been so long. I was so nervous. You're probably not thinking about that. No, thinking about it. You're now in your second full season as a Toronto Raptor. You feel comfortable? Do you feel at home? Oh yeah, for sure. I feel home. Toronto is home now. Yeah? Yeah. And what's your kind of favorite place and favorite thing about Toronto, actually? The cold. I'm joking. Yeah. We all know that. But it's a good opportunity to dress up and show all, you know. Sometimes you actually go too much and it's not good. You know what I'm saying? Yeah. Does your daughter, when she comes to visit you here, is it the same thing? Does she enjoys it, but it's cold? Yeah, she it's cold. Then coming into the season, you put a lot of work in the summer. You're out doing workouts, and you were in LA, were you not? With I went to Miami, and I went to LA to be with the team for a little bit, but I spent the most time in Miami. In Miami, yeah. How were the runs in LA with the other guys? It was pretty good. It was pretty good. And how did you find it's crazy because it's like a whole bunch of different guys from a whole bunch of different teams all just kind of running and working out and playing. I think it was fun. Yeah, it was my first time too to play. You know, it was kind of interesting. You know, but it was fun. Which one of the guys was did you think that was doing the best in those runs? I think all of our guys they was doing good. You know, because they was there already before me. So when I got there, all of our guys they was doing good. Yeah. And then obviously over the summer, big trade that happened with the Raptors and a lot of change. And we got Kawhi. Where were you when you found out, and what was your reaction? I don't know where I was. I don't remember where. I don't know. I think I was in Colombia, I think. You're all over the place. Yeah, I was in Colombia, I think. I was shocked. I'm sure you were shocked too, you know. Everyone was. He was shocked, you know, but it's business, man. You know, we all know it's business, you know, and then be anything can happen now. So, I was shocked, you know, just to see that, but... Hey, it's business, and always have to take care of business. So you know. And then do you remember playing against Kawhi previously, and what type of player he was, and knowing that you're gonna now be playing with him? Yeah. I remember I used to play with him back in a couple of years ago when I was in OKC, and you know I already know you know he's one of the toughest guys in the league to play, and having him as a teammate, you know. Of course, that's be good. That's a good thing. Now, switch over to yourself, the Serge Ibaka brand, because you're very avid on social media. How hungry are you? I'm when you text me that you're ready to go over this, I was about to sit down and eat, so I am hungry. Okay. But don't feed me any lamb brains. I'm not gonna eat any of that. What inspired you to make this show that everyone now is loving? What inspired me was, I think, you know, my dad. Sure. He loved to cook, and I learned to cook from him. And one day I told Jordi, like, you know, let's, you know, we had day off. We had team day off, so I didn't have nothing to do that day. I said, Jordi, hey, listen, I would like to do, you know, some home cook video just to post for my friends to see what I'm doing on day offs, you know, when I'm not... playing basketball. Sure. You know? And then when you're not at Roll Sam. Yeah. Exactly. And that's where everything starts. That's where the idea starts. Really? And then I say, no, I have to make something different too. You know, cooking shows, shows out there. Sure. But I want to try to create something, you know, people can laugh, you know, at funny at the same time, you know, and then people can, you know, find out about other people's. Now, some of these dishes are crazy. It's always crazy. That's how hungry I used to be. It's you're totally right. And your dad inspired you. Did your dad ever cook you any of those dishes? Did you ever have to eat any of those when you grew up? Yes, my dad used to cook me one of those things. Yeah. Really? Which one? Worms for sure. Worms for sure. Yeah. Crouton.
Tongue? Yeah, the cold tongue. Oh, man. Yeah, cold tongue for sure. Did you like it? When you first got that as a kid, when you first ate it, did you like it? No, I didn't like it. But I didn't have choice because that's the only food that was in the house. Sure. So my daddy say, oh, you don't eat it, or you eat, or you have nothing to eat. Now, the show obviously is about, you know, getting friends and teammates and everyone to eat these, you know, special weird dishes. Yeah. But did you want it to also be a little bit deeper than that, or is it kind of more of just a fun show? You know, I be enjoying doing that. Sure. So I'm enjoying doing that. So, you know, I want to go deeper than that. You know, really? It's fun. Yeah, I be enjoying that. So is there bigger plans for the show? Yes, bigger plan for the show. Can you tell us what? Not yet, but it's a bigger plan for the show. Interesting. Yeah. There were some funny ones. And like we said, the JV one, I don't think has come out yet. Not yet. Obviously the Bench Mob, the boys has come out yet. Yeah. And everyone's seen it. If you haven't, make sure to go check it out on Serge's YouTube channel. Yes, sir. But which ones, can you tell us any funny behind the scenes stories from those guys? I heard one of the guys was extremely scared. The Bunch Mob one, Freddy. That's what Jordy said. Freddy was sweating. Freddy, you can tell Freddy was like, well, you can tell his face is like, what I'm doing here? I should not be here. He made a mistake. Yeah, it was a mistake, yeah. And I remember watching it when he took the first bite. Yeah. He took a little one and you were like, nope. Yeah, you know Freddy. Yeah, yeah, yeah. But what about DeLon? Were you surprised that DeLon ate it so easily? I was surprised. Yeah, DeLon was, he was being crazy. You know, dinner was going crazy. Now, how do you go about choosing the meal? Do you choose it or? I choose it. Yeah, I choose it. And is there like a process or do you just kind of remember stuff from your childhood or do you? Yeah, I try to mix up, you know, food from different countries too. You know, I feel like it's a way for me to, you know, to show, you know, like, you know, people from Jamaica or people from Asia, people from, you know, they eat different foods. So I'm trying to bring those everything at the same time, just to show the world, you know, to show the world like, hey, you may not like this, man. Those people eat it, you know. Interesting. Like, any food is food. You have to respect the food. That's fair because you know you're some right. Some people do not have even bread. No, you're totally right. So yeah, it may seem like a crazy food to eat to some people, but yeah, but it's some. From other countries, so those people eat it. It's real food out there, you know? And sometimes, like DeLon, like some of the guys, you can see that when they actually eat it, they realize and understand that it's not necessarily Yeah, it's not bad. Just, you know, from the view, you see it, and the food is good, man. Now, good. Is there, who would you say would be the one person that you would be your ideal person to come on that show? The one person that you would absolutely love to get? Will Smith. Yeah, that's the dream, man. You know what? I think we got to ask him on social when we release the podcast. Yeah, we got to ask him if he would come on. If I could get Will Smith, oh man. Have you ever met him? No, but no. I like. Well, of course, who does not like Will Smith movies or like actor? And also, I feel like you know everything, all the video he do on YouTube, so cool. You know, that's the he's really impactful on social. So though, so that's the. Really the type of person really I can have in my show. There it is. That's a dream. The Fresh Prince, man, we're calling you out. You gotta come on Serge Ibaka's How Hungry Are You show. Yes sir. So you've done well JV and who else was with him? JV and Danny. So you've done with Norm, DeLon, Fred OG. And OG. Yeah. Any other Raptors teammates that may be appearing on the show in the near future? Yes, I'm still last time I tried to do with Kai, but the schedule, he was kind of busy too, and he has something to do with his family. Sure. Same with Kawhi, so you know. But maybe in the future. Yeah, maybe in the future. Do you already know what you're going to be preparing them? Yes, I already know. I have everything planned already. I'm guessing you're not going to tell us what you're going to. No, Kai, he say he like Philly cheese. You know, he's from Philly. Sure. So I say, Kai, yeah, I'm gonna make you some Philly cheesesteak. But it's gonna be with something else. Yeah, he's gonna get Congo cheesesteak. Congo cheesesteak? Yeah, not Philly cheesesteak. I don't know if I wanna know what that is. so, just, we talked about your show.
Is there any other future plans for you as, you know, the Serge Ibaka brand? I heard there's potentially some rumors about an agency, media agency, or a music thing that you're pursuing. We work on a lot of things, you know, and step by step. Really? You know, so now number one priority is basketball. Obviously. Of course. Obviously. So, you know, but we got, you know, a couple of things. We're working on the side step by step, but focusing on the basketball now. But some big things to come. Yes, sir. Awesome. We'll wrap it up with that now, Serge. We appreciate you coming by. Mafuzi man, Mafuzi chef. No. Serge Ibaka, a.k.a. Mafuzi man, Mr. Avec-Class, original man from motherland. I don't even know if I could repeat that. Go ahead, try. Serge Ibaka, a.k.a. Mafuzi man, Mr. Avec-Class from the motherland. No. Close? I'm going again. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least he played defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down the three. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous avez entendu Serge Ibaka. Serge Ibaka en interview sur le parquet de la radio. On rappelle cette magnifique interview qui a été réalisée par le média Raps Unpublished. Hein, suite à ce partenariat officiel que nous avons avec la NBA, on vous le rappelle régulièrement, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. C'est comme ça qu'on enchaîne sur ce talk show. Donc voilà, vous avez entendu Serge Ibaka s'exprimer sur nos antennes. Et bien entendu, pour ceux qui comprennent un petit peu la langue de Shakespeare, vous avez dû le comprendre. Serge Ibaka qui parlait en grande partie, qui racontait en grande partie sa carrière. Hein. C'est toujours un plaisir d'écouter ce Congolais raconter sa carrière. Alors si on peut retenir certains points clés des déclarations de Serge Ibaka. Alors, il y a surtout un mot qui me revient constamment à l'esprit, c'est l'expression où Serge Ibaka insiste sur le fait qu'il faut croire en ses rêves. Voilà, Serge Ibaka qui dit, la foi est plus importante même que les moyens que vous vous donnez pour atteindre votre objectif. Il faut croire en ses rêves, hein, voilà une expression chère à la star des Raptors de Toronto, hein, qui a beaucoup insisté sur cet aspect, hein, dans la vie de chaque personne. Si vous avez un rêve, si vous avez des objectifs à atteindre, il faut à tout prix y croire. C'est la première, condition pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et pour lui, c'est même beaucoup plus fort que les moyens que vous vous donnez pour croire en la réussite de vos projets. Et Serge Ibaka qui a aussi parlé de ses débuts, il a surtout parlé de sa famille, il a parlé beaucoup de l'influence qu'a eu son père dans sa vie, son père et sa mère qui sont deux ex-joueurs de basket, hein, on rappelle ses deux parents qui ont joué au basket, son père qui l'a initié à ce sport. Et bien entendu, il a aussi évoqué d'autres détails concernant sa carrière que vous avez pu comprendre. Donc n'hésitez pas à réécouter ce talk show avec cette interview exclusive, exclusivement réalisée par Raps Unpublished, on rappelle ce média affilié officiellement aux Raptors de Toronto que nous vous avons diffusé ce soir sur le parquet de la radio. Off. Donc voilà, allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec les
news des Africains en NBA et on reviendra faire le point sur les news d'abord et après on fera le point sur les meilleures réalisations statistiques de nos compatriotes du côté du continent. Restez bien connectés. À tout de suite. Qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on rentre de plein pied dans les news des Africains. Les Africains, les joueurs africains, les joueurs d'origine africaine, les joueurs ayant une affiliation avec le continent, c'est le moment de faire le point sur les news de ces compatriotes du continent avant d'enchaîner avec les dernières statistiques et on terminera les dernières statistiques réalisées par ces joueurs et bien entendu on terminera l'émission avec les dernières news en provenance de la NBA. J'en profite quand même pour préciser qu'il y a régulièrement, enfin il y a en ce moment des matchs qui sont prévus pour aujourd'hui et on rappelle que les Grizzlies de Memphis affrontent en ce moment les Timberwolves du Minnesota. Nous sommes dans le deuxième quart-temps qui tire vers sa fin. Il reste 6 minutes à jouer. Les Grizzlies de Memphis face aux Timberwolves du Minnesota enfin libérés de Jimmy Butler et on rappelle un Karl Anthony Towns qui enfin se réveille et démontre toute l'étendue de son talent. On sent vraiment qu'il se retenait et qu'il faisait tout pour faire le minimum, hein, Karl Anthony Towns qui en ce moment joue donc avec ses coéquipiers. Le score est de 33 pour les Timberwolves du Minnesota, 31 pour les Grizzlies. On rappelle, c'est le début du match, il reste 2 minutes à jouer, enfin il reste 6 minutes à jouer dans ce deuxième carton les amis. Et si on revient un petit peu sur la ligne de stats de cette équipe pour aller revoir pour aller voir comment se comporte Karl Anthony Towns ce soir, il est en début de talk show, c'est lui qui a le plus gros plus minus de son équipe, plus 6. Mais entendu, il joue avec il est à 4 points, 11 rebonds, une passe en 12 minutes de temps de jeu pour l'instant, 41 temps, ce qui tient bien les rênes de son équipe. On rappelle que on peut constater que les Timberwolves jouent avec une certaine cohésion puisque tous les joueurs, enfin la majorité des joueurs du 5 de départ ont déjà dépassé les 5 points. Robert Covington est à 8 points, c'est le meilleur scoreur pour l'instant. On rappelle Robert Covington, ex-joueur des Sixers de Philadelphie, ancien coéquipier du Camerounais Joel Embiid. Donc voilà un peu pour ce score, 5 minutes à jouer. Les Timberwolves du Minnesota qui mènent de 2 points dans ce score. 33 pour les Loups du Minnesota, 31 pour les Grizzlies de Memphis. Voilà, on va suivre de toutes façons le fil rouge de cette soirée NBA. On rappelle qu'on aura les Lakers qui vont affronter le Heat de Miami, les Knicks de New York qui vont affronter le Magic d'Orlando, les Blazers de Portland qui vont clôturer cette soirée NBA, les Blazers de Portland qui affronteront les Wizards. Ça c'est un match, un très très bon match puisque vous aurez affaire à deux meneurs de super classe, on va dire ça comme ça, puisqu'il s'agit de Damian Lillard face à John Wall. Damian Lillard face à John Wall, c'est 25 points, 5 rebonds, 6 passes pour Damian Lillard. John Wall, c'est 20 points, 3 rebonds, 8 passes décisives. Un duel de meneurs, ce sera très très beau à voir jouer. En tout cas, c'est un match que moi, je vous recommande. Enchaînons avec les news
des Africains en NBA. Et on va commencer par faire le point sur Serge Ibaka, hein, puisque on va terminer avec, enfin, on va clôturer là, le dossier Serge Ibaka, puisque vous avez entendu cette interview du Congolais. Mais il faut quand même savoir quelque chose sur Serge Ibaka. Si vous ne suivez pas de près le Congolais en ce moment, Serge Ibaka qui joue tout simplement le meilleur basket de toute sa carrière. Serge Ibaka, et oui, Serge Ibaka, le meilleur basket de toute sa carrière, tout simplement. Et pourquoi ? On vous donne l'info ce soir, Serge Ibaka, qui a été, qui fait l'objet d'une analyse, hein, qui a été diffusée par le média Oops Hype sur les réseaux. Serge Ibaka qui tourne en ce moment à 17,7 points par match. Il shoot à 59% from the floor. On rappelle que dans l'histoire de ces statistiques, et en ce moment, Serge Ibaka est le deuxième meilleur marqueur de la NBA par possession sur pick and roll, mesdames et messieurs. Il est tout simplement derrière Rudy Gobert, le français du Jazz Utah. Donc, je le répète, Serge Ibaka, le Congolais, est le deuxième meilleur marqueur de la NBA par possession sur pick and roll. Et on rappelle qu'il shoot à 59%, je l'ai déjà dit, from the floor, et il tourne à 17,7%. Hein, la meilleure moyenne, l'une des meilleures moyennes de sa carrière, de la carrière du Congolais. Mais on le sait, les choses n'ont pas été faciles pour Serge Ibaka, qui, on le rappelle, ses meilleures années étaient encore du côté du Thunder. On rappelle qu'il est passé par des moments très très difficiles, des moments très très difficiles sur le plan personnel, surtout au niveau de ses stats, au niveau individuel, ça n'allait pas du tout. Mais cette année, cette saison, c'est vraiment, le joueur est vraiment libéré, il faut le dire. Alors, c'est vrai que plusieurs fois dans Total Africa NBA, j'ai souhaité remercier l'arrivée de Kawhi Leonard. On rappelle Kawhi Leonard qui a vraiment aussi libéré aussi beaucoup de choses dans le jeu des joueurs, des Raptors de Toronto. Mais il faut quand même préciser dans cette analyse que le premier responsable de ce changement, surtout concernant le dossier de Serge Ibaka, c'est le head coach des Raptors. Il s'agit de Nick Nurse, mesdames et messieurs. Nick Nurse, le head coach des Raptors de Toronto, est vraiment l'un des artisans de la libération de Serge Ibaka. En ce moment, Nick Nurse qui a vraiment pris la décision de laisser le joueur jouer à son poste de prédilection, le poste où il se sent le plus à l'aise. Il s'agit du poste 5, tout simplement. Serge Ibaka qui joue pleinement son poste, qui joue pleinement en poste 5 cette saison, en tout cas en ce début de saison. Et le Congolais est vraiment très très à l'aise depuis qu'il n'est plus aux côtés de Jonas Valanciunas avec le poste 4. On rappelle qu'il était aux côtés de Jonas Valanciunas qui jouait au poste de pivot. Mais il faut quand même rappeler que le poste 4 la relation entre Serge Ibaka au poste 4 et le pivot Jonas Valanciunas en poste 5 rendait le Congolais beaucoup moins efficace. Et on rappelle aussi que l'une des grandes faiblesses du Congolais, c'est quand même son adresse son adresse dans le périmètre. Hein, Serge Ibaka qui n'a pas dans son historique au niveau du tir dans le périmètre, Serge Ibaka n'est pas très très adroit. Mais force est de constater que depuis le début de la saison avec les Raptors et depuis qu'il ne joue plus, depuis que Nick Nurse a décidé de ne plus le faire jouer aux côtés de Jonas Valanciunas et de lui laisser pleinement le poste de pivot, le joueur a vraiment retrouvé l'envie de performer et il a pratiquement sinon plus d'impact que lorsqu'il jouait à Toronto, lorsqu'il jouait aux Thunders d'Oklahoma City. Autant pour moi, hein, Serge Ibaka qui est vraiment l'un des meilleurs intérieurs dans le jeu en pénétration. Hein, c'est Oops Hype qui précise cela. Serge Ibaka qui est l'un des meilleurs intérieurs de la NBA dans le jeu en pénétration. Donc voilà, hein, pour quelques détails qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que Serge Ibaka joue le meilleur basket de sa vie. Et vraiment, on envoie un gros big up à son head coach Nick Nurse. Voilà pour Serge Ibaka. On va clôturer le dossier du Congolais avec cette analyse. Et on va enchaîner avec la page de son coéquipier, notre compatriote
Il s'agit de Pascal Siakam. Pascal Siakam, le Camerounais, qui lui aussi, je ne sais pas si on doit utiliser l'expression une saison de rêve. C'est plutôt le genre de saison qu'on attribuerait, en début de saison, à Joel Embiid, le pivot des Sixers de Philadelphie, qui joue vraiment une saison de rêve. Une saison qu'on aurait parié 98% des joueurs d'origine africaine, africains auraient parié, n'auraient pas parié sur cette avalanche de stats que nous délivre Joel Embiid. Mais pour revenir à Pascal Siakam, on se pose la question, est-ce que c'est une saison de rêve pour le joueur Pascal Siakam qui lui aussi joue le meilleur basket de sa carrière à ce jour? On rappelle que le Camerounais est le leader des Raptors en plus-minus avec 4.9, mesdames et messieurs. Il est le leader des Raptors en plus-minus avec une note de 4.9. On rappelle aussi que le Camerounais avait quand même été nommé il y a quelques jours. Il avait été nommé meilleur joueur de la semaine. Il tournait à 20 points, 4 rebonds en shootant à 72% avec 3 victoires et 0 défaite pour les Raptors de Toronto. On rappelle qui est avec les Warriors à l'Ouest, les deux meilleures équipes de la NBA en ce moment. Et j'ai une question à vous poser, hein, parce que Pascal Siakam est tellement bon en ce moment que ça vaut la peine de se poser la question. Et si vous devriez prendre un joueur, si on vous présentait deux joueurs, qui est-ce que vous choisiriez à l'instant T? Est-ce que c'est Pascal Siakam ou alors est-ce que c'est Ben Simmons? Je vous pose la question. Si vous aviez à choisir entre Pascal Siakam et Ben Simmons à l'instant T, quel est le joueur que vous auriez pris? Moi, j'ai de fortes raisons d'avoir envie de choisir Pascal Siakam. Et vous souhaiteriez peut-être choisir Ben Simmons. Mais en tout cas, il est clair que Pascal Siakam a un impact beaucoup plus important que Ben Simmons chez les Sixers. Mais on ne va pas comparer les deux systèmes, ces deux entourages bien différents. Mais c'est quand même une opposition de style que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui. Donc si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux par rapport à cette opposition, n'hésitez pas à me faire signe. Si vous pensez que vous préféreriez choisir Ben Simmons au lieu de Serge Ibaka, ou alors est-ce que c'est le contraire? Est-ce que vous préfériez choisir Serge Ibaka à la place de Ben Simmons? Donc voilà un peu une opposition que je souhaitais vous proposer ce soir. N'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux. Vous avez tous les détails que l'on diffuse régulièrement sur les réseaux, voilà, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, etc., etc. On va enchaîner, les amis, on va aller du côté des Thunder d'Oklahoma City pour parler de l'Égyptien Abdel Nader, mesdames et messieurs. Abdel Nader, l'Égyptien qui a été envoyé en NBA G League. L'arrière a donc joué face aux Texas Legends il y a encore quelques jours. Il a délivré un très très beau match avec 22 points et 12 rebonds. Si ça continue comme ça, ne soyons pas surpris si le Thunder décide de le rappeler. On va enchaîner, on va aller du côté du français, du franco-congolais Gershon Yabusele, qui lui aussi a été envoyé du côté de la NBA G League. C'est le média CBS Sports qui donne l'info. Yabusele qui a rejoint les Redmen Claws, voilà, et il a livré un excellent match jeudi face aux Raptors 905, un excellent match malgré la défaite sur un score de 108 à 104. Le joueur qui avait scoré 16 points, 6 sur 14 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 4 rebonds, 2 passes et une interception en 27 minutes, mesdames et messieurs. Donc voilà un peu pour Gershon Yabusele. Voilà un peu pour Gershon Yabusele. C'est du côté des Celtics. On rappelle le joueur qui a donc été envoyé en NBA G League. Donc voilà pour le joueur. On va enchaîner avec le talk show. Mais avant ça, on va accueillir Missy qui est avec nous. Elle est sur le parquet de la radio. Missy depuis Paris. Est-ce que tu nous entends, Missy? Oui, oui, je vous entends très bien depuis Conflans-Sainte-Honorine. Bonsoir, Missy, c'est merveilleux, on t'entend super bien ce soir.
depuis. Oui. Tu as dit que tu es où là? Tu es de quel côté? Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Ah, dans les Yvelines, d'accord, d'accord. Tu es en déplacement en ce moment. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Tu trouves un peu de temps pour te connecter sur le parquet de la radio off. Ça nous fait plaisir. J'étais en train d'enchaîner déjà. Je te fais la passe dans quelques instants. Tu restes bien connecté. Hein, on a déjà démarré. Vas-y. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma petite pensée du jour, c'est pour Soubard. Soubard qui intègre le front office de Nuggets. De Nuggets. Ouais. Voilà. On a vu l'info. Très bonne. La NBA qui fait de la place aux femmes, et notamment aux joueuses de la WNBA, voilà. Ouais, c'est une bonne chose. On a vu l'info, on va revenir encore dessus. Tu auras encore plus de temps pour commenter cette info très importante qui montre l'évolution des mentalités avec l'intrusion, avec le fait d'intégrer bien entendu des femmes dans les plus hautes sphères de la NBA, des équipes de la NBA. On va enchaîner, on reviendra sur l'info, on va aller du côté de Joel Embiid. Alors j'ai bien envie de poser la question, hein. C'est vrai que vous allez me dire que c'est un peu tôt, hein, mais bon, on est un peu obligé, hein. c'est le buzz du moment et il faut qu'on en parle. Joel Embiid qui est vraiment extraordinaire, il est stratosphérique avec les Sixers de Philadelphie. Joel Embiid, alors je vous donne cette statistique qui a été cette statistique qui a été délivrée par NBA Stats. Alors on revient un peu sur les dernières performances de Joel Embiid. On avait déjà parlé, hein, de ce record extraordinaire de plus d'une dizaine de matchs avec plus de 30 points et 10 rebonds, une stat que seul Karim Abdul-Jabbar avait réalisé en son temps. C'était dans les années 70-71 pour être beaucoup plus précis. Mais ce que l'on peut dire concernant Joel Embiid aussi, c'est que j'ai une ligne de stats là devant moi. Plus de 8 matchs à plus de 30 points et 10 rebonds, hein, c'est vraiment extraordinaire pour le Camerounais qui est définitivement candidat au titre de MVP, en tout cas en ce début de saison, hein. Et écoutez ça, hein, tout simplement, face aux Bulls de Chicago, il avait scoré 30 points, 10 rebonds, face au Orlando, 32 points, 10 rebonds, face au Pistons de Détroit, 33 points, 11 rebonds, face au Bucks, 30 points, 19 rebonds, face au Raptors de Toronto, 31 points, 11 rebonds. Face aux Clippers, 41 points, 13 rebonds. Face aux Pistons de Détroit, 39 points, 17 rebonds. Et face aux Hornets de Charlotte, 42 points, 18 rebonds. Mesdames et messieurs, Joel Embiid qui est extraordinaire à voir jouer en ce moment. Extraordinaire. Alors ça donne envie de poser la question. Missy, est-ce que tu peux... Tu m'entends? Est-ce que tu peux couper la radio à ton niveau? Parce que ça sort dans le direct. Il faut couper le son là. C'est bizarre, mais depuis... Non, en fait, ça sort de ton micro. Hein. Il y a la radio qui sort quelque part de ton micro. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque je coupe ton micro, je ne l'entends pas. Mais lorsque je le mets, j'entends la radio qui sort depuis ton micro. Essaye de voir la source. Il y a une source du direct qui sort de ton micro. Essaye de voir ça. On remet le live. Je ne sais pas pourquoi la radio, le son du direct sort. Parce que c'est un peu désagréable pour les auditeurs, il doit avoir un souci. Tu m'entends bien là, Missy? Oui, je t'entends bien, mais je n'ai pas de source de direct. Ah, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi lorsque on t'entend, le direct sort. D'où est-ce que ça peut venir? Pourtant, il n'y a aucun direct live en provenance de mon micro. En prenant notre micro, ici sur le studio, il n'y a rien. Mais dès que je coupe ton micro, j'entends le direct qui sort dans là et je pense que les auditeurs aussi ont ce même son. C'est un peu désagréable. Je ne sais pas parce comment que expliquer. Je n'ai même pas l'application. Oui, mais justement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, on l'entend, le direct qui ressort depuis ton micro. Allez, je pose la question et puis on va essayer d'enchaîner, mais si ça continue comme ça, je vais essayer de voir dans quelle mesure on va couper puis relancer ton micro. Je ne sais pas pourquoi lorsque je mets ton micro, j'entends l'émission qui ressort. C'est un peu bizarre. Voilà la question que je voulais poser par rapport à Joel Embiid. Voilà, j'entends plus. La question que je voulais te poser par rapport à Joel Embiid, c'est au vu de ces statistiques, on peut le dire. Je ne sais pas si on peut poser la question. Est-ce que Joel Embiid n'est pas
le meilleur africain, le meilleur joueur africain évolué en NBA depuis Hakeem Olajuwon. Je te pose la question, Missy, est-ce que tu n'as pas envie de penser à cette discussion? Joel Embiid, meilleur joueur africain de l'histoire de la NBA depuis Hakeem Olajuwon. Est-ce que cette discussion pour toi est est-ce que c'est possible de poser ce sujet en tout cas en début de saison? La question, elle peut se poser, mais il y a encore beaucoup de temps pour la poser. Il a passé d'années de NBA. Oui. On ne peut pas parler directement de lui devant les Dikembe Mutombo et autres qui ont été aussi excellents. C'est quand même extraordinaire ce que fait Joel Embiid en ce moment. C'est terrible. Hein. Extraordinaire. Vas-y. C'est extraordinaire, mais pour l'instant, il faut lui laisser le temps. L'avenir le dira. Mais il est extrêmement bon. Il est extrêmement bon en ce moment. Et ça montre à quel point... avoir le talent ne suffit pas. Avoir le talent ne suffit pas. Il faut le travail derrière. Il faut travailler tous les aspects du jeu. Et lui, c'est ce qu'il fait tout le temps. Quand vous voyez Joel Embiid prendre un fadeaway, ça paraît très facile. Mais il ne faut pas oublier que Joel Embiid, il mesure 2m16. Quelqu'un qui mesure 2m16, il prend un tir sur une jambe. Rendez-vous compte de son poids et de sa taille. Tout ça, de l'équilibre qu'il doit avoir. Il doit être encore plus équilibré que nous autres. Mais après ça, c'est bon, l'aspect du talent qu'il a, qu'il n'a pas. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez les aptitudes. Quasiment tout le monde peut avoir des aptitudes. Mais si vous ne travaillez pas les aptitudes... Et je suis content pour lui, je suis content même en dehors de lui. Quand on voit ce nouvel joueur africain ou originaire d'Afrique qui brille dans cette ligue, le basket est un sport international. Et peu importe d'où vous venez, du Sud-Soudan, du Cameroun, du Congo, vous pouvez briller. Parce qu'à un moment donné, on vous regarde pour ce que vous pouvez apporter à votre équipe. Et d'ailleurs, ce qui est bien quand on parle d'Embiid, c'est que toujours, moi je dis, il y a le modèle. Le modèle. Et dans le modèle, il faut toujours quelqu'un qui vous ressemble, qui vient à peu près du même endroit que vous. Hakeem Olajuwon, c'est quelqu'un qui va toujours inspirer la jeunesse. C'est lui, c'est l'un des premiers Africains, c'est le premier Africain à la NBA. Et quand vous regardez quel a été son cheminement, il a très très bien réussi parce qu'il a toujours été dans l'apprentissage en permanence. Il allait apprendre des meilleurs, les Moïse Malone et tout ça. Joel Embiid, quand il s'entraîne, il regarde bien sûr les vidéos d'Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon, quand il parle d'Embiid, il dit que du bien de lui. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas vous dire « je viens d'un pays où il n'y a pas l'infrastructure, où il n'y a pas les structures, où il n'y a pas l'encadrement ». Quand vous êtes devant les gens, il faut jouer. Voilà. Voilà, voilà pour Joel Embiid. Donc voilà, hein, comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Missy. On va laisser le temps, mais c'est quand même extraordinaire de voir ça. On n'avait pas vu ça depuis plus d'une dizaine, 15 ans, hein, on peut le dire. Un Africain jouer à ce niveau, ça remonte tellement loin on a envie de se poser la question. Et c'est vrai que c'est une question qui va revenir aussi longtemps que Joel Embiid continuera à performer autant. On sera toujours tenté par se poser la question, mais c'est vrai, Missy, on va lui laisser du temps, on va pas lui mettre beaucoup plus de pression qu'il en a aujourd'hui. On va continuer à le suivre. On va aller du côté des Pacers d'Indiana pour faire le point sur le Nigérian Ike Anigbogu. La dernière fois que je parlais du très jeune Ike
Anik Bogu, c'était du côté des Pacers d'Indiana. Je précisais qu'il avait rejoint la NBA G League et je rappelle donc que les Pacers ont donc annoncé ce samedi avoir donc rappelé le pivot, le très jeune Aik Anik Bogu du côté des Four Winds Mad Ants où il évoluait en NBA G League. On rappelle qu'il a été le 47e choix de cette draft 2017 et qu'il a participé aux 6 premiers matchs des Pacers cette saison en enregistrant 3 minutes dans une victoire face aux Nets de Brooklyn le 20 octobre où il s'était mis où il avait fait son meilleur match avec une dizaine de points ce soir-là. On rappelle qu'il est apparu dans 11 matchs officiels avec les Pacers, puis on rappelle que sa moyenne sur les 4 derniers matchs de Ike était de 10 points et 10 rebonds. Il avait été envoyé en NBA G League. Ce samedi, il a donc été rappelé par les Fort Wayne. Il a été rappelé par les Pacers. Il quitte donc les Fort Wayne Mad Ants pour retrouver son équipe des Pacers. Et on pense que ça va être profitable pour le joueur qui va pouvoir. On pense que si on l'a rappelé, c'est pour lui donner un peu plus de temps de jeu. Hein, mais si, on espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu, Aik, qu'il a été rappelé par son coach. Il a un peu plus de temps de jeu. Mais c'est quand vous êtes jeune, en fait, ce qui se passe souvent dans les franchises, les coachs ont déjà leur rotation. Mais à chaque fois que vous devez entrer sur un terrain, vous devez faire vos preuves. J'en veux pour preuve Pascal Siakam. Dans les deux premières années, il jouait pas beaucoup. Les Raptors l'ont même envoyé en D-League, où il a gagné le championnat de D-League avec les Raptors 905. Là. Il a été MVP de la finale, on le rappelle aussi. MVP de la finale. Ouais. Aujourd'hui, il est starter. Voilà. C'est lui qui start le match. Il faut qu'un coach puisse avoir confiance en vous. On ne peut pas vous donner comme ça les clés. Si on n'a pas confiance en vous, c'est une question de confiance. Un coach, il dit à quel moment je vous fais confiance. Mais sachez que même dans le garbage time, quand vous entrez dans un match, vous devez toujours répondre présent. Vous devez jouer. Les joueurs qu'on dit maintenant, les Queen Cook et autres, c'est comme ça qu'ils ont gagné leur place. Ils n'avaient pas de place en NBA. Il y a ceux qui arrivent très bien draftés, qui vont s'en sortir plus ou moins bien. Parce que, par exemple, on voit Bennett, ça n'a pas marché. Mais vous en avez d'autres qui vont partir de très loin, comme Isaiah Thomas, et qui vont faire de très belles saisons. Il y a beaucoup de choses dans le basket. Si vous êtes dans la NBA, à vous de vous montrer. Et de montrer que les gens qui vous ont sélectionné et vous ont pas sélectionné au hasard. On a encore vu cet après-midi, c'est un autre sport. Mais c'était Novak Djokovic, c'était la finale du Master. Tout le monde avait donné Djokovic vainqueur et c'est Alexandre Zverev, 21 ans, qui a pas eu peur. Il lui est rentré dedans, il a fini par gagner. L'âge, votre âge, ne peut pas être une excuse de minorité. Donc quand vous êtes là, vous êtes appelé, vous devez jouer. Montrez de quoi vous êtes capable. Peut-être c'est une action pour laquelle on va vous retenir dans un match. Peut-être c'est autre chose, vous ne savez jamais. Mais ouais. Il faut répondre présent. Voilà. Ouais. Voilà, il faut répondre présent et on souhaite vraiment à Aik Anik Bogu de donner le meilleur pour la suite de la saison avec les Pacers d'Indiana. Il peut avoir sa chance. On rappelle que les Pacers comptent énormément sur Aik Anik Bogu, le joueur qui a un profil très intéressant pour cette équipe des Pacers qui ont des intentions. Ils ont un projet de jeu, un vrai projet de carrière pour Aik Anik Bogu. À lui de saisir sa chance, comme l'a fait Pascal Siakam, comme l'a dit Missy tout à l'heure. Serge Ibaka aussi, il a eu sa chance d'ailleurs. on en parlait tout à l'heure. On va aller du côté de Tone Maker. On parlait de ceux qui doivent saisir leur chance dans leur roster. Tone Maker qui avait été
oublié par... enfin, oublié, c'est un peu le mot qu'on utilise, parce qu'il n'était plus depuis plusieurs semaines dans les plans du coach Henson du côté des Bucks de Milwaukee. Et on se posait la question sur Thonmaker, est-ce que le joueur... Est-ce que le joueur va donc revenir dans les plans du coach des Bucks de Milwaukee? Est-ce que Thonmaker va revenir en odeur de sainteté pour son coach? On rappelle qu'il avait été mis de côté par Budenholzer. Hein, je rappelle le head coach des Bucks, Mike Budenholzer. Est-ce que Thonmaker va pouvoir revenir dans les plans de Mike? De Mike Budenholzer, c'est apparemment le cas, puisque on avait précisé que l'un des éléments qui pourrait faciliter le retour de Thonmaker dans les plans de son coach, c'est soit que le joueur se fait remarquer à l'entraînement, ou alors soit qu'il remplace un joueur blessé. Et c'est donc le cas en ce moment, puisque l'Australien du Sud-Soudan remplace donc en ce moment John Henson, qui est donc blessé. Et compte tenu de l'absence de John Henson, Thonmaker en a profité lors du dernier match des Bucks, c'était face aux Bulls de Chicago. L'Australien du Sud-Soudan a donc délivré une stat de 9 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre en 18 minutes de temps de jeu. On le sait, la suite ne sera pas facile pour lui, mais c'est à lui de se rendre indispensable. On repense encore à ce que Missy disait tout à l'heure. C'est à chacun de saisir sa chance. On espère que Thonmaker pourra le faire de son côté. On va enchaîner, on va aller du côté de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, le grec aux origines nigérianes, qui lui continue son incroyable saison. On rappelle que Giannis Antetokounmpo, qui lui aussi est candidat au titre de MVP, il faut quand même le rappeler, Giannis Antetokounmpo, qui tourne à 25,8 points, 12 rebonds et 5 passes cette année. On rappelle que c'est le plus jeune joueur de la NBA à réaliser cette statistique depuis Oscar Robertson. Oscar Robertson qui avait réalisé cette stat lorsqu'il avait à peu près le même âge que Giannis Antetokounmpo. 25 points, 12 rebonds, 5 passes décisives. Et on rappelle que selon Sports Illustrated, Giannis Antetokounmpo est celui qui dunk le plus en NBA. Ça nous rappelle un certain Vince Carter, qui lui aussi en son temps était l'un de ceux qui dunkait le plus, en plus d'être considéré par beaucoup encore comme le meilleur dunker de l'histoire de l'NBA. On rappelle que Giannis Antetokounmpo a dunké 64 fois en 14 matchs. On rappelle que Sports Illustrated a déclaré qu'il pourrait réaliser près de 370 dunks cette saison. Ce serait 101 dunks de plus que Dwight Howard, qui lui avait établi le record de 269 dunks réalisés par Giannis par Dwight Howard. C'était en 2008. Et Giannis Antetokounmpo qui pourrait dépasser son record avec 101 dunks de plus. C'est Sports Illustrated qui le précise, si le joueur continue dans cette lancée. Je le rappelle, il est à 64 matchs en 14 matchs, le joueur Giannis Antetokounmpo, un autre candidat au titre de MVP, ici, et il pourrait vas-y, un candidat au titre de MVP, un très bon joueur qui a récemment perdu le sourire à cause de la presse grecque, d'un journaliste grec. Vas-y, dis-nous. C'est un journaliste grec qui a fait référence, qui a plus ou moins traité son frère, son frère qui était notamment au New York, qui joue maintenant au Panathinaikos, je crois, qui l'a traité de sale noir. Aïe, 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 voilà. Aïe, aïe, quelle histoire. Sur les réseaux sociaux. Qui fait grand bruit même au pays, en Grèce. Certains demandent que ce journaliste soit viré et tout ça. Il a dit ça sur le ton de la boutade, mais
On sait que le racisme, c'est une chose qui frappe énormément les personnes noires, que ce soit aux États-Unis, que ce soit, que ce soit en Europe ou ailleurs. Hein. Ben bon, il a plutôt réagi en disant qu'il est grec, il sera toujours fier de représenter le pays et tout ça. Donc, ouais. Mais pour autant... Mais bon, c'est ces gens de racisme qui sont toujours là, c'est une négrophobie omniprésente en Europe, pas seulement en Grèce, mais dans toute l'Europe. Aujourd'hui, la personne noire fait peur, tout fait peur, mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à un joueur de cette manière-là. Bon, il a pu réagir, Yanis, parce que bon, il a le pouvoir, hein. Mais vraiment, pour rester dans le sportif, il faut vraiment saluer tout ce qu'il fait et saluer même ses frères et ses frères. Hein. Bien parce sûr. Dans beaucoup... Il a un frère chez les Mavericks, non, je crois. Hein. Il a un frère chez les Mavericks en ce moment, oui. Avec dans une même famille, il y a encore son autre frère qui joue, je crois, au niveau lycée ou université, je ne sais plus. Mais saluer une famille comme ça, parce que c'est une famille qui n'a pas roulé dans l'or, qui était plutôt une famille pauvre et modeste. Et c'est une famille dans laquelle les gamins ont réussi. Donc, quand on voit Yanis, on se dit ils sont pas là par hasard. Oui. Le fait que vous n'ayez pas les conditions de vie n'empêchera jamais que vous réussissiez. Mais une chose à dire, vous avez beaucoup moins de chances de réussir que les autres. Les Kevin Durant et autres LeBron James, les Yanis, ils avaient beaucoup moins de chances de réussir que les autres. Ils n'étaient pas dans les standards, ils n'avaient pas la famille pour, mais c'est la persévérance qui a fait et la discipline qui a fait que ces gamins ont très bien réussi. Donc Yanis, au bout d'un moment, il a dit « je suis arrivé à NBA, la première année, c'était pas trop ça, parce que bon, j'ai consommé mon rêve américain. Aujourd'hui, dans la Ligue, il fait peur à beaucoup de monde. Les Kevin Durant, les LeBron James, tout le monde a dressé des lauriers. Cet été, ils s'est entraîné avec un certain Kobe Bryant qui se reconnaît un petit peu en Yanis. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est candidat au titre d'MVP. Un peu comme Embiid. C'est des gamins venus de très très loin qui ont une histoire assez singulière, qui ont très très bien réussi. Ça veut dire à la jeunesse qu'il faut vous accrocher à vos rêves. Tout est possible. De toute façon, il faut faire le travail. Voilà. Voilà, tout est possible ici et on va continuer à suivre, bien entendu, les aventures de notre cher Giannis. On va enchaîner dans ce Total Africa NBA. On va aller du côté... Alors, de qui est-ce qu'on va parler? On va donner des news de Luc Mbamute. Voilà, le Camerounais Luc Mbamute des Clippers de Los Angeles, dont on n'a pas beaucoup parlé ces dernières semaines, pour la simple raison que le Camerounais est donc blessé en ce moment au niveau du genou. Il ratera encore quelques matchs de plus, selon Doc Rivers, qui a déclaré au micro de Tomer Azarli que Luc Mbamute continue à suivre la progression du genou du Camerounais. Il a déclaré ce samedi que sa blessure au genou, qu'il n'est pas revenu, il n'a pas le hockey des médecins pour reprendre le jeu, mais il est toujours en observation et bien entendu sa guérison est sur la bonne voie. Hein, c'était au micro de Tomer Azarli que Doc Rivers s'exprimait sur Luc Mbamute. Donc voilà pour ces news des Africains en NBA. On va faire le point sur la semaine statistique de ces joueurs africains, ces joueurs d'origine africaine. Restez bien connectés, à tout de suite. Mmh.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui parle du NBA. La radio qui vous écoute. Basketball. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de cette émission Total Africa NBA en direct live, mes amis, avec Missy depuis Paris. On envoie aussi un big up au Doc ONP depuis Angers qui pourrait nous rejoindre pendant l'émission. On rappelle le fil rouge de ce talk show avec les Grizzlies de Memphis qui jouent face aux Timberwolves du Minnesota. Nous étions au deuxième carton avec les Timberwolves qui menaient au score de 2 points. En tout cas, le score était de 31 à 33 dans le deuxième carton. Nous attaquons le troisième carton. Il y a 8 minutes 20 à jouer et les Grizzlies qui repassent devant au score 56 pour les Grizzlies de Memphis, 52 pour les Timberwolves du Minnesota. Karl Anthony Towns qui prend en main ce match avec 9 points, 14 rebonds, une passe décisive face à Marc Gasol, 10 points, 10 rebonds, 2 passes. Les deux pivots qui se lancent dans un mano à mano. Alors les deux joueurs, les deux leaders qui prennent en charge leur équipe, je répète, Marc Gasol, 10 points, 10 rebonds, 2 passes. Karl Anthony Towns, 9 points, 14 rebonds, 1 passe. C'est un duel face un duel de pivot ce soir, les Grizzlies face aux Timberwolves du Minnesota. J'ai envie de voir les Timberwolves faire quelque chose dans ce match. Missy, comment tu as envie de réagir? Les Grizzlies face aux Timberwolves, c'est en ce moment. Il reste 8 minutes à jouer dans ce troisième carton. Ah oui, tu as vu que Karl Anthony Towns il se libère vraiment. Karl Anthony Towns vas-y s'il te plaît. Donc tu vas récupérer cette phrase de Francis Player, ils ont besoin de lui, sans lui vous ne gagnez pas. Voilà. Et donc le fait d'être sous les critiques de Butler, qui continue d'ailleurs à expliquer que qui explique que les Sixers sont meilleurs, ils ont un meilleur public, ce n'est pas un bon comportement. Parce que quand quelqu'un vous a payé, vous a donné autant d'argent, vous avez joué, et passe à autre chose. Eux aussi, oublie-les, ils t'oublieront. Ouais, donc voilà pour ce fil rouge avec donc les Timberwolves du Minnesota qui jouent face aux Grizzlies
de Memphis. Et on le dit, duel entre les deux pivots hein, de ce match. Marc Gasol qui joue face à Karl Anthony Towns. Marc Gasol, 10 points, 11 rebonds, 2 passes, 9 points, 14 rebonds, une passe pour Karl Anthony Towns. Qu'est-ce que tu veux dire, Messi? Tu veux dire quoi? Juste une chose. Vas-y. On est ravis de retrouver Marc Gasol à ce niveau. Ah oui. La saison dernière, c'était terrible hein, pour Marc Gasol. La saison dernière. Terrible avec, on sait, les soucis avec Fisdale et tout ça. On attend justement de voir sa capacité à jouer. Quand ils ont été au JO, c'était en 2012 face aux Américains, il avait été justement très bon. C'est quelqu'un, c'est les frères Gasol sont labellisés. On les sait très bons joueurs. Et on sait cette filière espagnole qui joue super bien au basket, qui est extrêmement bonne. Mais Marc Gasol, on a besoin de le voir tous les soirs. Parce que justement, malgré le fait qu'il soit extrêmement grand, c'est un pivot extrêmement mobile, un peu comme Joel Embiid, il peut prendre les tirs à 3 points. Aujourd'hui, les nouveaux pivots, c'est ça. C'est des joueurs qui s'excentrent énormément là et qui vont marquer. Voilà pour Marc Gasol. On continue à suivre le fil rouge de ce match. Et on vous tient informé des nouvelles de ce match. On enchaîne avec les infos. Enfin, on revient sur les stats hein, de ces Africains qui ont évolué cette semaine. Et on va notamment parler du bon match. Alors, on va commencer par lundi, la journée de lundi. Alors, lundi dernier, c'était le 12 novembre. Et puis on voit qu'il n'y a rien de, il y a rien à dire sur lundi. On va plutôt enchaîner avec mardi, avec les Sixers face au Heat de Miami le mardi 13 novembre avec un Joel Embiid une fois de plus incroyable avec 35 points, 18 rebonds, 3 passes décisives face au Heat de Miami avec Goran Dragic 22 points, 3 rebonds, 5 passes. Le Camerounais qui une fois de plus a porté son équipe vers la victoire dans ce match du mardi 13 novembre. Et j'ai envie c'était le mardi 13 novembre que nous avions vu ce match. On va enchaîner avec les Raptors de Toronto. C'était toujours le mardi 13 novembre avec le Camerounais Pascal Siakam qui face aux Pelicans nous a livré un excellent match avec 22 points, 3 rebonds, une passe décisive dans la défaite de son équipe. Il était quand même le meilleur joueur de son équipe avec 22 points, 3 rebonds, une passe décisive. D'ailleurs, pour revenir sur Pascal Siakam, j'ai envie de poser la question à Missy. J'en parlais en début de talk show. Missy, Pascal Siakam qu'on peut clairement mettre dans la discussion pour le MIP cette année. Hein. Moi, je le mets. Hein. On le met dedans. Hein. Pascal Siakam. Hein. Pascal Siakam qui a tourné la semaine dernière à 20 points, 4 rebonds. Hein. Bah, vas-y. Bien sûr, il est totalement dans cette discussion. Ouais. C'est une discussion. Bon, il y avait lui, il y avait Caris LeVert qui était dedans, qui a marqué un coup d'arrêt avec sa blessure. Maintenant, Pascal Siakam, c'est vraiment quelqu'un qui est bon sur tout. Très bon, Pascal Siakam. Extrêmement bon. Ouais. Et puis son énergie en fait quand on la voit par moment on voit les matchs que perdent les Raptors. Si son énergie pouvait être ne serait-ce que par moment un peu contagieux au niveau de certains de ses coéquipiers, je peux vous dire que les Raptors seraient peut-être à une ou deux défaites, c'est tout. Ça c'est sûr. Oh, il a été extrêmement bon. On enchaîne avec c'est toujours sur cette même journée, c'était les Timberwolves du Minnesota qui affrontaient les Nets de Brooklyn avec une victoire des Loups sur un score de 120 à 113. Et on rappelle que sur ce match, le Nigérian Josh Okudjie nous a livré une belle prestation avec plus 4 en plus-minus en sortie du banc. On rappelle que Josh Okudjie n'est plus starter hein, du côté des Timberwolves depuis que Jimmy Butler est parti. Jimmy Okudjie qui sort du banc, mais il a quand même du temps de jeu. 20 minutes pour le Nigérian, pour l'Américain, le New Yorker origine du Nigeria.
8 points plus 4 en plus-minus pour lui. 4 rebonds, une passe. C'était face aux Nets de Brooklyn. On enchaîne, on va aller du côté de la journée du jeudi, hein, le jeudi 15 novembre, avec la défaite des Sixers face au Magic d'Orlando, avec le Camerounais Joel Embiid qui nous avait livré 19 points, 13 rebonds, 10 passes. Je pense bien, si je me souviens bien, Missy, hein, je pense bien que ce match, c'était la première de Jimmy Butler, hein, c'était la première de Jimmy Butler avec les Sixers de Philadelphie. Jimmy Butler qui avait réalisé en 33 minutes 14 points sur ce match, mais bien sûr ils avaient perdu ce match. On rappelle que les Sixers ont beaucoup de soucis pour gagner à l'extérieur, hein. C'est l'un de leurs gros problèmes pour les Sixers. Mais voilà, bon, ils vont. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Surtout que dans ce match, ils ont pris un éclat. Ils ont pris un 21-0, je crois. Oui. Un 21-0 avec. Ouais. Entre le 3 et le 4e carton, c'est trop. Oui, et ça, c'est vrai que. C'est ça qui les a en fait. Fait perdre ce match, mais aujourd'hui on se rend compte que, bon, à part peut-être Atlanta qui a énormément de mal, mais toutes les autres équipes, Atlanta peut-être un peu Cleveland aussi, mais toutes les autres équipes, elles sont capables de battre n'importe qui. Hein. On voit encore la victoire des Celtics sur Toronto, ensuite leur défaite sur Utah. Cette ligue, elle est vraiment mouvante en ce moment. Les Warriors qui perdent 3 matchs, bref, de suite. Ouais, donc voilà. On revient sur le fil rouge de ce match, mesdames et messieurs, les Grizzlies de Memphis face aux Timberwolves du Minnesota. Et ce sont les Grizzlies qui sont en train de prendre le large dans ce troisième quart-temps. Il reste 4 minutes à jouer. 66 pour les Grizzlies, 54 pour les Loups du Minnesota. Marc Gasol qui prend le dessus sur Karl Anthony Towns, clairement 13 points, 11 rebonds, 2 passes pour l'Espagnol qui est en double-double face au double-double du jeune Karl Anthony Towns qui lui ne se laisse pas faire. 11 points, 15 rebonds, 1 passe pour la star de Timbo du Minnesota, mais c'est clairement l'Espagnol qui domine avec ses 13 rebonds, ses 13 points, 11 rebonds, 2 passes et l'avance au score 66 pour les Grizzlies, 54 pour les Timberwolves du Minnesota. En fait, vas-y. Cette équipe, elle va avoir besoin, outre de Karl Anthony, mais d'Andrew Wiggins. Hein. Il faut vraiment qu'il se voit. Il faut vraiment qu'il se réveille. Oui. Il ne peut pas jouer. C'est quelqu'un qui a le talent. C'est quelqu'un qui était sur la couverture de Sport Illustrated comme meilleur lycéen. Quand vous êtes meilleur lycéen, on ne peut pas. D'ailleurs, lui, les deux qui étaient sur cette fameuse couverture, il y avait lui et il y avait Jabari Parker. Eh bien, ils sont un peu à la peine, tous les deux. Quand on les voit, on se dit, c'est pas possible. Ce n'étaient pas les meilleurs lycéens d'il y a quelques années. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la suite de ce talk show. Mesdames et messieurs, on va se diriger vers le match suivant, hein, pour cette semaine des Africains en NBA, et on va aller reparler de ce match. C'était donc, nous sommes dans la journée du jeudi 15 novembre et on va bien entendu parler de cette défaite des Raptors de Toronto. C'était face aux Pistons de Détroit, mais le Camerounais Pascal Siakam qui nous avait livré un excellent match une fois de plus en compagnie de Kawhi Leonard qui avait terminé à 26 points, 9 rebonds. Le Camerounais était à 17 points, 7 rebonds, 2 passes, une interception, un contre, plus 0, plus minus. Voilà, l'essentiel, c'est quand même. Je pense que l'essentiel pour lui, c'est quand même la victoire de son équipe, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les Raptors qui ont perdu de 2 points face à un énorme Blake Griffin, 30 points, 12 rebonds. C'était donc le 15 novembre. Donc voilà, on va enchaîner avec la suite. On va parler, mesdames et messieurs, de Giannis Antetokounmpo, le Nigérian aux origines grecques, qui
a donc perdu face aux Grizzlies de ce même Marc Gasol qui est en train de faire, de donner une leçon de basket à Karl Anthony Towns ce soir. Marc Gasol qui avait battu Giannis et les Bucks avec 29 points, 5 rebonds de passe. Le Grec qui était monté en régime avec 31 points, 9 rebonds, 4 passes face aux Grizzlies. Mais malheureusement, les Bucks avaient perdu sur un score de 113 à 116. Donc voilà, on enchaîne. On va enchaîner avec le match suivant. C'était du côté des Timberwolves du Minnesota face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On va aller regarder comment s'est débrouillé Josh Okogie sur ce match. Josh Okogie qui a 17 minutes de temps de jeu sur cette victoire des Timberwolves du Minnesota. Le Nigérian qui a scoré 11 points, il a récupéré 5 rebonds avec le plus gros plus-minus de son équipe. Josh Okogie, il était à plus 15 en plus-minus. Un gros big up au Nigérian qui continue à démontrer que même sur le banc, il peut apporter à son équipe. Josh Okogie. On va passer à la journée de vendredi, le 16 novembre. Et pour la journée du 16 novembre, on va surtout parler de la victoire. On l'a vu, cette victoire des Rockets de Houston. C'était sur les Warriors de Golden State avec cette nouvelle atomique Carmelo Anthony avec l'annonce de la séparation de Carmelo Anthony des Rockets de Houston. Un big up à un de nos auditeurs qui s'appelle Rodriguez. Il s'appelle Rodriguez. Il réagit sur son Android, son téléphone. Il dit Pascal Siakam commence à jouer du très très bon basket NBA. On lui envoie un gros big up à Rodrigue qui nous écoute en ce moment. Big up à toi, Rodrigue, qui envoie ses encouragements à Pascal Siakam. Donc voilà, on lui dit merci à Rodrigue qui nous écoute. Et merci aussi à tous ceux qui sont connectés en ce moment. On le sait, vous êtes plusieurs milliers à travers le monde à être connectés, à écouter les talk shows de cette radio digitale. On rappelle, radio partenaire officiel NBA. Donc voilà, je parlais donc de ce match, les Warriors face aux Pelicans, la victoire des Warriors, mais je voulais pointer du doigt, la performance du Suisse Clint Capela, qui en 30 minutes a délivré 10 points, 10 rebonds sur cette victoire. Mais l'essentiel était quand même ailleurs, puisque on rappelle que le départ de Carmelo Anthony fait grand bruit du côté des Rockets, Missy. Hein. Très, très grand bruit. Ça fait grand bruit, mais ça n'a pas perturbé. Ça n'a pas perturbé les Rockets. On est énormément aussi sur l'altercation entre Kevin Durant et... On reviendra dessus d'ailleurs tout à l'heure. On reviendra dessus. Il a dit la suspension m'a fait du bien parce que j'ai pu reposer mon pied. On le sait, hein, Damon Green a des soucis avec son pied. Ce qui mine surtout les Warriors, c'est pas tellement les querelles de vestiaire. Ce n'est pas nouveau. Steph Curry a lui-même confirmé avoir eu quelques querelles de vestiaire. Ça existe dans toutes les équipes. Il ne faut pas se focaliser dessus. Mais maintenant, c'est vrai que les Warriors sont dans le dur. Et les Warriors, quand ils sont dans le dur en début de saison et en fin de saison, ils sont hauts. Les Warriors sont une équipe à multivisage. Hein. Revenons sur les Rockets. On reviendra sur les Warriors tout à l'heure. Hein. Les Rockets, c'est Melo et Carmelo Anthony. On reviendra sur les Warriors tout à l'heure. Vas-y. Les Rockets, ce qui parviennent maintenant à faire très bien avec Clint et les autres, c'est que ils sont revenus un peu meilleurs défensivement. Actuellement, ils arrivent à limiter leurs adversaires à moins de 100 points, chose qu'ils ne faisaient pas. Ils pouvaient marquer beaucoup et encaisser aussi énormément. Mais maintenant, ils ont rappelé leurs spécialistes défensifs.
ils commencent aussi à faire un peu tout. À mettre on espère qu'ils vont continuer dans cette lancée, en tout cas. Hein. On espère qu'ils vont continuer, que ça va continuer comme ça. Allez, on enchaîne avec le match suivant. Nous sommes dans la journée de samedi 17 novembre avec les Celtics qui ont battu les Raptors de Toronto. C'est un score de 123 à 116, mais on va retenir dans cette partie Total African NBA pour ce qui est les Africains. On va parler de la belle performance avec le retour du Congolais Serge Ibaka, plus 4 en plus minus, 21 points, 4 rebonds. Et le Camerounais Pascal Siakam, 16 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions pour le Camerounais et un Kawhi Leonard à 31 points sur cette défaite des Raptors de Toronto face aux Celtics de Boston. On va enchaîner, on va parler des Sixers de Philadelphie avec la victoire des Sixers, c'était face au Jazz d'Utah sur cette journée du samedi 17 novembre. Et on revient sur les détails de ce box score pour parler de la belle performance du Camerounais Joel Embiid, 23 points, 12 rebonds, pardon, 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 3 contres, plus 18 en plus-minus. Mais on rappelle que le leader, le MVP de ce match, c'était Jimmy Butler qui avait amené cette équipe à la victoire sur un score de 113 à 107. Donc voilà un peu pour Jimmy. On a le Doc ONP qui me fait signe. Ah non, le Doc NP qui devrait être avec nous tout à l'heure. Il n'est pas encore là. On va pouvoir enchaîner. Le temps que je fasse la passe à Missy après avoir fait le point sur le match suivant. On va aller du côté du match qui a opposé les Blazers au Timberwolves du Minnesota. Les Blazers, les Blazers de Portland face aux Timberwolves. La victoire des Timberwolves du Minnesota sur les Blazers. Et on va surtout regarder comment s'est comporté le Nigérian Alfaro Kaminu qui, sur ce match, a malheureusement fait un très mauvais match. Hein, le Nigérian Alfaro Kaminu face aux Timberwolves, il a eu 30 minutes de temps de jeu. Il était hyper maladroit. 1 sur 7 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Il était à 5 points, moins 22 en plus-minus. C'était un match catastrophique pour le Nigérian Alfaro Kaminu. On espère qu'il va pouvoir effacer cette nuit face aux Timberwolves et qui nous proposera de meilleurs matchs à l'avenir. Et donc voilà, on rappelle, hein, le dernier match, c'était les Sixers. Le dernier match avec les Camerounais en évidence, c'était les Sixers de Philadelphie avec l'extraordinaire performance de Kemba Walker qui éclipse vraiment la performance du Camerounais. Le Camerounais qui avait terminé ce match avec 33 points, 11 rebonds, 3 passes. Mais Kemba Walker a vraiment, malgré la victoire des Sixers, hein, mais le match de Kemba Walker était terriblement incroyable. 60 points pour Kemba Walker, 7 rebonds, 4 passes, Missy. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce match était vraiment dantesque. Ouais. Je pense que ça va sans dire qu'il aurait aimé scorer un peu moins et repartir avec la victoire. Avec la victoire. D'ailleurs, quand on sait que la victoire s'est jouée dans les dernières secondes de ce match, c'est d'autant plus rageant de se dire on fait une telle performance et il n'y a pas la victoire au bout. Ouais. Je ne sais pas si c'est son record en carrière. Je crois bien que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est un record en carrière. Non, et puis c'est quelqu'un qui joue, Kemba Walker. C'est un très bon joueur, mais c'est le problème de cette équipe de Hornets qui depuis plusieurs saisons, leur problème, on sait, hein, c'est de terminer le match et tout ça. C'est pas une équipe qui est encore en confiance et extrêmement fiable pour terminer le match. Les Américains disent close the game. On doit être dans le close the game. Même si c'est que d'un point, la victoire, c'est la victoire. C'est ce qu'il faut aller chercher. Tout à l'heure, on a vu les Suisses. C'est du football. Je prends un exemple sur ça. Les Suisses, ils étaient menés 2-0. Il y avait une place en course pour le Final Nation, le nouveau tournoi de l'UEFA.
Ils menaient 2-0, ils sont revenus, ils ont gagné 5-2 face à la même Belgique contre laquelle ils avaient perdu 2-1. Donc vous devez jouer. Ce n'est pas parce que vous êtes dominé, ça va arriver que vous soyez dominé. Mais dans les derniers moments, vous devez pouvoir clôturer les matchs. Et c'est ça que les Hornets n'ont pas su faire. Ils se retrouvent avec un Kemba Walker à 60 points. On se dit, 60 points, rendez-vous compte. Il a scoré plus de la moitié des points de son équipe. Au moins, il a scoré au moins. Il a été impactant sur plus de la moitié des points de son équipe. Donc, il y a un problème. Ouais. Quand vous n'avez pas à gagner. Maintenant, je vois l'Ambiv. Il est sans doute content de n'avoir scoré que 33 points, mais d'être reparti à la victoire. Ouais. C'est aussi ça. C'est aussi ça, oui. Voilà. Allez, on reparle du dernier match des Raptors de Toronto. C'était face aux Bulls de Chicago avec la victoire des Raptors sur un score de 122-83. Serge Ibaka, le Congolais qui nous a délivré cette stat de plus 24 en plus 20, 16 points, 4 rebonds et, 12 points, 8 rebonds, 5 passes, une interception, un compte pour le Camerounais Pascal Siakam. Les deux joueurs qui ont encore porté leur équipe vers la victoire. C'était face aux Bulls de Chicago. Hein, et voilà, hein, pour, on va, et voilà pour cette semaine des Africains en NBA. Les joueurs africains, les joueurs d'origine africaine en NBA. Donc voilà, pour cette rubrique. Donc voilà, hein, je lis le commentaire de Rodrigue qui nous écoute. Il dit sur le match des Sixers, il dit Jimmy Butler était très fâché en fin de match. Pour tous ceux qui le critiquaient, ils peuvent maintenant la fermer. Donc voilà un peu les déclarations de Rodrigue. Un grand soutien à Jimmy Butler du côté des Sixers de Philadelphie. Donc voilà, merci Rodrigue pour ton commentaire. On voit bien que tu es un grand fan des Sixers, en tout cas un fan de Jimmy Butler. Et tu as bien raison, Jimmy Butler qui dont l'impact, Missy, Rodrigue, qui tu m'écoutes, Missy? Allô? Tu m'entends, hein, Missy? Oui. Oui, je disais l'impact de Jimmy Butler qui a été mis en doute par beaucoup de fans. Hein. Rodrigue qui, lui, précise là sur le stream que Jimmy montre enfin, dans ses déclarations, on voit qu'il fait comprendre que Jimmy montre à tous ceux qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer chez les Sixers qu'ils avaient tort. Je pense que c'est un peu ça que Rodrigue veut nous faire comprendre. Les débuts sont toujours bien. Les débuts l'ont été aussi très bien à Minnesota. Oui. Mais c'est quand tout commence à aller mal. C'est quand tout commence à aller mal qu'il faut, qu'il va falloir voir ces choses-là. Oui. Et c'est non. Quand vous gagnez, il n'y a pas d'ombre au tableau. Même quand vous gagnez, il y a les ombres au tableau. Mais après, ça dépend comment votre vestiaire est protégé. On voit les Warriors, ils essayent de contenir les fuites dans la presse. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé. Et ça ne date pas d'hier. C'est bien pour eux que ça vienne là maintenant, en début de saison. Certains abcès vont pouvoir être crevés. Mais c'est pas parce que Jimmy Butler arrive que les Sixers, tout va se transformer en victoire, non. Ils auront besoin de faire leur preuve, les playoffs vont venir. Il y a les Celtics qui sont là, il y a les Raptors. Les gens qui disent l'Ouest, l'Est, c'est complètement mort, c'est totalement faux. Il ne faut pas espérer que à l'Ouest, celui qui va aller voir les Warriors ou les Rockets ou quelqu'un d'autre à l'Ouest, il faut qu'il soit fort. Hein. Ça va pas, c'est pas facile cette affaire. Non. Ceux qui gagnent aujourd'hui, les vainqueurs d'aujourd'hui, ne sont pas forcément ceux de demain. C'est quand on va rentrer dans la dernière ligne droite, qualification au play-off,
Regardez l'année dernière, Portland a été très très bien. Et finalement, ils se font laminer au premier tour par les Pelicans. Tout le monde dit, ah, les Pelicans, c'est génial. Ils tombent sur les Warriors, et ils ont très mal fini. Voilà, donc pour cette partie africaine, on va attaquer avec la dernière partie du talk show. On va faire le point sur les dernières news en provenance de la NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. On rentre dans la dernière partie de cette émission. On fait le point sur les dernières news de la Ligue. Et bien entendu, on a un dossier qu'on a l'habitude de partager avec vous. Il s'agit du Lakers Inside. On va aller dans le Lakers Inside pour voir ce qui se passe du côté de cette équipe. Ces équipes du King. Alors on commence d'ailleurs par commençons par ce dossier des Lakers Inside pour commenter la dernière déclaration de LeBron James. C'était face au micro de Kevin Pelton qui a interrogé LeBron James sur l'affaire Carmelo Anthony. Je pense que vous posez des questions. Quel est le sentiment de King James dans ce micmac avec Carmelo Anthony? Est-ce que d'après vous, LeBron James pourrait avoir envie de retrouver son ami Carmelo Anthony dans son équipe? Il y a plusieurs fans qui se posent la question. Alors, le journaliste Kevin Pelton a posé la question à King James et il a donc déclaré, LeBron James a déclaré: est-ce que je pense à Carmelo Anthony? Je vais être honnête avec vous. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait advenir de l'avenir de Carmelo Anthony. Est-ce que vous pensez que pour moi, c'est une bonne chose d'avoir Carmelo Anthony dans cette équipe? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que nous avons 15 places dans notre équipe et que ces 15 places sont actuellement prises et nous n'avons même pas de poste 3 disponible pour Carmelo Anthony. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de LeBron James qui ne voit pas comment Melo pourrait rejoindre les Lakers en ce moment. Missy, est-ce que tu as envie de réagir? Oui, il ne pourrait pas dire autre chose. LeBron James. Tout ce qu'il dit est scruté. Oui. Je ne peux pas dire autre chose.
chose, ce n'est pas parce que Carmelo Anthony est plus ou moins l'un de ses besties, son meilleur ami. Donc, après, n'oublions pas, la NBA est un business. Carmelo Anthony, là, il est coupé. On va lui trouver un point de chute, il rebondira. C'est tout. Ouais. Carmelo Anthony, pour le basket. Oui. Maintenant, qu'il trouve une équipe, si possible, une équipe avec un coach qui va dessiner un système pour lui, une équipe qui peut le relancer, qui va être aux fashion, oui. Et en tout cas, cette équipe, c'était pas les Rockets. Les Rockets, ils ont goûté au final de conférence l'année dernière. Ils veulent y revenir cette année. La dernière fois que les Rockets ont gagné le titre, d'ailleurs, ils avaient fait le back-to-back. C'était en 95, c'était avec Olajuwon. Ils aimeraient bien aussi revenir dans cette conversation du titre. Oui. Maintenant, je pense que le fait d'avoir coupé Carmelo Anthony, c'est un peu rapide, sans vraiment avoir défini son rôle. Le problème, il est à la racine. Le problème, il est au bout où on a signé Carmelo Anthony. C'est pas maintenant. Là, maintenant, c'est une affaire qui fait du bruit pour rien. Maintenant, il faut regarder. C'est au niveau du front office, du chef, Danny Morel, que quelque chose n'a pas marché. C'est juste ça. Mais Carmelo rebondira. Et puis, c'est un Hall of Famer. Il entrera au Hall of Fame, hein, il ne faut pas s'inquiéter du tout. Et puis, c'est tellement. Il entrera au Hall of Fame pour sa carrière de basketteur, mais aussi pour tout ce qu'il a apporté, apporté à Team USA. Il hein. ne faut pas oublier, Carmelo est le meilleur scoreur de Team USA. Hein. Voilà. On enchaîne avec les news, mesdames et messieurs. On va aller du côté. Alors, je vous lis la réaction de Rodrigue qui nous écoute. Il dit Carmelo Anthony ne peut pas arriver aux Lakers. Les Lakers sont déjà deux bons joueurs. Carmelo Anthony est déjà assez vieux. Il n'a pas pu s'en sortir avec les Rockets et ne pense pas qu'il va pouvoir impulser sur le dynamisme des jeunes actuellement avec les Lakers. Il peut aller de l'avant, mais sûrement pas à Los Angeles, selon Rodrigue, qui nous écoute, qui réagit sur le stream. On va enchaîner avec l'info. On va aller du côté des... On reste dans les Lakers pour parler de King James. Et ça, c'est une affaire plutôt de business, puisque LeBron James a mis sa voiture. Il a mis une de ses voitures aux enchères. Alors, c'est quand même une voiture qui fait partie de l'histoire. L'histoire de la carrière de LeBron James, puisque c'est un Hummer qu'il avait acheté en 2003. LeBron James, en 2003, c'est lorsqu'il intégrait, c'était lors de ses débuts. Hein, donc voilà, pour LeBron James, cette voiture sera donc mise aux enchères par la Golding Action ce lundi. Donc lundi, cette voiture sera mise aux enchères. Et elle sera vendue le 8 décembre par le président de l'institution Golding Action, présidée par Ken Golding. Donc voilà, qui pour lui, cette voiture est clairement une voiture de collection. Donc je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient s'attacher les biens de cette légende LeBron James. Donc voilà un peu pour quelques infos en provenance de King James. On va enchaîner, on va aller du côté des Kings de Sacramento. Les Kings de Sacramento qui ont l'intention de virer leur coach Dave Joerger et le front office des Kings de Sacramento ne s'entendent plus, mesdames et messieurs. Hein, c'est du côté des dernières infos en provenance des Kings précisent qu'il y a une véritable déconnexion entre les priorités, entre les plans de la franchise et la manière dont le coach Dave Joerger dirige ses joueurs. Alors, pour pointer du doigt le problème de la gestion du head coach, on va juste préciser que Dave Joerger ne fait pas assez jouer les jeunes de cette équipe des Kings de Sacramento, puisqu'il fait plus jouer les vétérans, et cela a pour conséquence d'énerver les jeunes de cette équipe, puisqu'il est en froid
avec l'une des stars des Kings, à savoir, je parle de Marvin Bagley III. Marvin Bagley III est son head coach, ne s'entend pas en ce moment au niveau des Kings. Et le front office pourrait prendre la décision de se séparer de ce head coach, Dave Jorger. On va voir comment ils pourront évoluer par la suite. On va enchaîner avec les Warriors ici, qui parlait des Warriors tout à l'heure en début d'émission, puisqu'on parlait du problème entre Kevin Durant et Draymond Green, qui continue à faire de grosses vagues, et à tel point que même le front office des Warriors commence sérieusement à craindre ce qui pourrait se passer durant la saison, hein, le front office des Warriors qui ont dû se justifier dans leur suite à la décision qu'ils ont prise, puisqu'on rappelle que Draymond Green avait été suspendu après le clash qu'il avait eu avec Kevin Durant. Il avait été suspendu et les médias ont fait courir sur les réseaux que le front office avait un parti pris clair pour Kevin Durant au lieu de Draymond Green. Donc pour eux, le front office des Warriors choisissait clairement Kevin Durant face à Draymond Green, et ça a pour conséquence de créer des divisions au sein de cet effectif des Warriors. Et le directeur des opérations de basket, Joe Lacob, a dû se justifier face aux médias en disant que les Warriors ne choisissent pas entre Draymond Green et Kevin Durant. Il a dit: j'ai tout lu et j'ai tout entendu sur ce que les gens disent concernant notre décision d'avoir suspendu Draymond Green. Je vais vous rappeler que nous ne choisissons personne. Nous avons suspendu Draymond Green après sa confrontation verbale avec Kevin Durant. Et voilà, c'était l'unique décision que nous avons prise. Et il pense que c'est un problème de gestion, hein, de la part du directeur général Bob Myers et du head coach Steve Kerr. Il dit que pour lui, c'est définitivement un problème de gestion interne avec Bob Myers et Steve Kerr. Et il pense que Draymond Green est quand même... Et il pense clairement que Draymond Green était allé très loin dans ses propos, et qu'il avait... C'était son devoir de le rappeler à l'ordre, et qu'il a communiqué avec Draymond Green en lui envoyant des textos, et que Draymond Green lui avait répondu qu'il comprenait la position de Joe Lacob et qu'il a respecté, et qu'il précise qu'il a toujours de très bonnes relations avec Draymond Green, mais il n'y a pas de favoritisme chez les Warriors. Missy, les Warriors qui sentent vraiment que cette histoire pourrait leur péter à la figure s'ils ne prennent pas des... C'est normal. Oui. C'est normal. C'est normal que ça pourrait leur péter à la figure. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Quand vous prenez le Chicago Bulls, il y avait beaucoup de problèmes dans la fameuse équipe de Chicago Bulls avec Jordan. On sait que Jordan n'était pas en très bon terme avec le GM. Oui. Tout était au bord de l'explosion à chaque fois. Mmh. Et ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui. Donc maintenant, la moindre petite chose qui est dite sera commentée. Scrutée et commentée. Et jugée. Ce n'est pas l'altercation qu'on a vue publiquement, puisque l'altercation s'est poursuivie. C'est pour ce qu'il a dit derrière que le spectateur n'a pas entendu. On sait exactement ce qu'il lui a dit. Voilà. Ouais. C'était un mot violent, hein, de Draymond Green. On avait écouté ses déclarations encore en ce début de talk show. Vas-y, Missy, on arrive à la fin. Vas-y. C'est violent de dire à un coéquipier que t'es là juste pour parce que tu voulais les titres. Nous, on a gagné le titre sans toi. Mais les deux derniers titres, c'est quand même lui. C'est lui qui les a donnés en plus. C'est vrai. T'as oublié le gros match qu'il fait, les gros matchs qu'il fait à Cleveland. Ouais. Les deux derniers. Il faut les sortir. Ouais. Ben oui. Ben oui. Eh oui, Missy, donc voilà. Et ce qui va faire imploser les Warriors, ce n'est pas la dispute. Ce n'est pas les disputes.
Les disputes ont jamais imposé les Warriors. Allez, on enchaîne. Vas-y, vas-y, conclue et puis on enchaîne. Vas-y. Juste une chose pour dire, ce qui fera imposer les Warriors, c'est l'argent qu'ils doivent donner en renouvellement de contrat. Voilà. Ils vont garder Kevin Durant, ils vont le garder aussi au max. Donc, c'est ça. Après, ils auront renouvellement de contrat de Damon Green. Les problèmes sont là, sur ce plan. Voilà. Allez, on enchaîne avec cette dernière info dans Total Africa NBA. Mesdames et messieurs, on revient sur le fil rouge qu'on partageait avec vous avec ce match des Grizzlies face aux Timberwolves du Minnesota. Et je vous parlais de la domination des Grizzlies sur les Timberwolves. Et ça continue. Marc Gasol qui fait du sale sur la tête de Karl Anthony Towns, l'Espagnol. Et à 26 points, 13 rebonds, 3 passes sur la tête de Karl Anthony Towns ce soir. Karl Anthony Towns qui n'a pas dépassé les 15 points. Il est à 11 points, 18 rebonds, 2 passes. Les Grizzlies qui mènent 93 à 82. C'est le quatrième carton. Il reste une minute, mesdames et messieurs, une minute à jouer pour les Grizzlies de Memphis qui sont devant au score et qui vont certainement battre les Timberwolves du Minnesota ce soir. L'Espagnol Marc Gasol qui démontre que c'est lui le plus fort dans ce match face à Karl Anthony Towns. On va terminer avec cette info et faire réagir Missy puisque c'est une bonne nouvelle pour la jante féminine avec l'introduction de Sue Bird en tant que responsable associé des opérations de basket. C'est du côté des Nuggets de Denver. C'est une belle avancée pour le basket. Les Nuggets de Denver qui ont donc embauché cette légende Sue Bird en tant que responsable associé des opérations de basket dans leur franchise. Hein, sous Time, Tim Connelly qui a déclaré: nous sommes très heureux que Sue Bird rejoigne notre organisation et son CV parle pour elle. On rappelle que Sue Bird a terminé sa 16e saison en NBA. On rappelle qu'elle a remporté trois titres de champion WNBA. Elle a évolué chez les Seattle Storm. Elle a fréquenté du côté de l'université du Connecticut où elle a remporté deux titres nationaux avant d'être sélectionnée au premier choix par les Seattle Storm où elle a donc été le leader de cette équipe, une légende de cette équipe des Seattle Storm avec qui elle a remporté trois titres NBA. On va pas faire 3 heures sur Sue Bird, mais on va terminer avec sa déclaration où elle a dit: je suis très heureuse de rejoindre l'organisation des Nuggets et je suis reconnaissante de cette opportunité. Je suis impatient d'apprendre avec eux. Voilà, ça fait plaisir de voir Sue Bird. Ça fait plaisir de cette avancée pour la jante féminine. Vas-y, Missy, et après on va clôturer. D'ailleurs, Sue Bird, qui après son titre avec les Seattle Storm, a été championne du monde en septembre aux côtés de Janet Orazi. C'est les deux légendes de Team USA. Rendez-vous compte, elle n'a perdu jamais aucun championnat du monde quand elle y allait. Le plus où elle y allait, c'est les JO, elle a toujours été bon. C'est l'âme du Team USA. C'est elle qui accueille les nouvelles, c'est elle qui... Elle vous met tout de suite dans l'ambiance. C'est le bonheur ultime. Il n'y a pas de comparaison à avoir entre elle et un garçon. Mais la connexion s'est faite par rapport aux Nuggets. La connexion s'est faite via Mike Malone. Parce qu'au moment où elle avait été blessée, elle faisait sa rééducation à New York. C'est comme ça qu'elle avait rencontré Mike Malone. Et puis la NBA veut accélérer le mouvement pour intégrer les femmes. Et d'ailleurs, Sue Bird n'est pas la première. Parce qu'avant elle, il y a eu Tamika Catching. Tamika Catching qui a intégré le front office de Diana Pacers. Elle est en passe d'être nommée général manager des Pacers. Peut-être prochain GM d'une femme. Donc ouais. Tamika Catching, une légende aussi du basket américain, de Team USA. Elle a été justement, elle a pris sa retraite,
Elle a été nommée à ce poste. Elle est notamment au centre du recrutement des Pacers. C'est Pacers qu'on voit très bon aujourd'hui. On peut aussi l'accréditer de ça. Le mouvement est en marche. Elles sont pas là parce qu'on a pitié d'elles. Elles sont là parce qu'elles sont compétentes. Parce qu'elles sont compétentes. Voilà. Il faut se le dire, la femme est compétente. Voilà, on arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. C'est à présent terminé. Total Africa NBA et on le clôture. On remercie tous les fans qui étaient connectés ce soir. Un gros big up à Rodrigue qui a réagi sur les sur le stream Spreaker et nous a fait signe sur le sur notre partenaire Spreaker. Et bien entendu, on lui fait un gros big up. N'hésite pas à rejoindre aussi notre chaîne WhatsApp, Rodrigue, si tu veux faire entendre ta voix, il n'y a pas de souci, on peut t'appeler sur WhatsApp. Et si tu veux t'exprimer via WhatsApp, si tu veux qu'on t'appelle afin d'entendre ta voix, si tu veux réagir, il n'y a pas de souci, tu vas sur le site officiel www.radiooff.net et tu cliques sur la bannière qui t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp. C'est très en vue, tu ne peux pas la manquer. Une fois que tu es dans le groupe, tu peux intervenir, tu peux préciser que tu veux réagir et on t'appellera quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Big up à toi, big up à tous les fans qui étaient connectés ce soir. On va remercier Missy qui était avec nous. Merci Missy d'avoir été avec nous depuis Paris. Big up à toi et à mardi pour The Big NBA Show. À mardi, félicitations à un petit jeune qui s'appelle Zverev, jeune allemand d'origine russe qui n'a pas eu peur de gagner son premier master face à Novak Djokovic après avoir éliminé hier Roger Federer. Voilà, la jeunesse, elle apparaît. Donc, il faut pas vous dire, parce que vous avez 21 ans, les autres ont beaucoup plus d'expérience. Tout est possible tant qu'on est sur un terrain. Voilà. Voilà, voilà. Merci, Missy. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Et je vous donne rendez-vous pour Oncle Phil le basket. Ce sera donc mardi avec The Big NBA Show. Mais ne ratez pas l'édition de lundi. Hein, avec Franck qui a réussi finalement à paramétrer la diffusion de ces talk shows. Donc dès demain, Franck sera sur le parquet de la radio à partir de 22h avec son talk show NBA, le NBA Monday Show. NBA Monday Show, ce sera avec Franck à partir de 22h dès demain. Vous ferez le point sur les matchs de la semaine. Et Oncle Phil Basket rattaquera The Big NBA Show mardi à partir de 22h. Voilà comme ça, comment ça se passe tous les jours des shows NBA. Voilà, hein, lundi, NBA Monday Show, The Big NBA Show. Mardi, mercredi, NCAA Show avec Franck. Jeudi, NBA No Limit. Et vendredi, avec The Weekend NBA Show avec Franck. Toute la semaine, dimanche, Total Africa NBA. De la NBA, c'est toute la semaine sur la radio, sur Radio Off Basket, la radio numéro 1, la radio numéro 1 pour les fans de NBA, pour les fans de basket sur le digital, la radio partenaire officielle de cette ligue que nous aimons tant. Passez une bonne nuit, passez une bonne soirée. Je vous dis à demain pour NBA Monday Show et à mardi pour The Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Mais quoi tu joues, mec? Au fait, ouais, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, arrête, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un portable dans la bouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital? J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon bouquet. Je vais te remettre. Toi et ta mouche à mer blanche, retournez de ma part au pays imaginaire. Et dis capitaine Park, il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Mais t'es dingue. Vous êtes des PD. Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais, je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.